Salut à toutes et à tous! Bienvenue, salut! J'espère que vous allez bien de votre côté. Alors, on a le chat apparemment. Tout a l'air de rouler. Bon, voilà, c'est pas mal. Je regarde mon truc. Peut-être réajuster la petite fenêtre après, on verra bien. Bon, c'est un peu route. C'est un peu. Voilà. Mais ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Sur Facebook. Je me suis dit, alors allez, on y va. Donc, on est parti. Un peu de magazine. Pas mal ça? Donc salut Roro. Salut Mello. Salut Sined. Salut Florian. Salut Senyuki. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on a un peu de musique? On a un peu de musique apparemment, je crois, voilà. Après, parce que je ne l'ai pas dans les oreilles, mais il y en a que je vais mettre après, que je vais avoir dans les oreilles. Voilà, j'espère que vous allez bien de votre côté. J'espère que je vais arriver à suivre à peu près le chat. Et puis sinon voilà, n'hésitez pas à, voilà, à commenter les magazines, ce que ça va vous inspirer. Voilà, j'ai fait ma petite installation, j'ai passé un petit peu de temps pour que ce soit à peu près exploitable, on va dire. Salut Anthony, salut. Ouais, s'il y a de la musique. Oui, il y a de la musique, mais elle est nulle. Ah bon? Je sais pas, c'est un truc que j'ai mis. C'est si nul que ça? Bon, je l'entends pas, donc du coup, salut Christophe. Donc ouais, après ça va changer. Ça va, Imhotep, c'est le week-end. Oui, c'est le week-end. C'était même le week-end un petit peu avant parce qu'aujourd'hui j'étais un peu en mode repos. Donc voilà, c'était cool. J'ai pu avancer. J'ai fini de bosser sur le texte de notre prochaine vidéo qu'on prépare depuis très longtemps avec Pesca. Elle avait déjà commencé. Et puis, voilà, le texte je voulais retravailler un petit peu. Donc voilà, c'est fait, c'est retravaillé. Et puis, il n'y a plus qu'à. Voilà, faut qu'on se cale pour le tournage. Donc voilà, ceci étant, j'espère que je vais peut-être pouvoir faire une petite vidéo la semaine prochaine, on va voir ce que ça va donner. Ouais, faut que j'aille chez le coiffeur aussi. Voilà, bon bref. Donc tout ça pour vous dire, les magazines. Donc je tenais à remercier, c'est Guillaume. Guillaume alias Timan, si vous regardez Noob, voilà. Donc ça fait un petit moment qu'on se connaît, et puis voilà, il avait des magazines, des bons vieux magazines, alors ça c'est le plus ancien, hein. Je vous ai mis la photo du plus ancien qui est dans le lot. Les autres sont plus récents, vous allez voir, on va partir du plus récent jusqu'au plus ancien, bon, histoire de papoter. Salut Johan, salut Julien, salut à tous, salut Jean. Donc voilà, salut Adrien. Donc voilà, je disais des magazines, on va remonter le temps parce que là, on va partir de 2006 jusqu'à 1996, même si celui-ci, alors c'est le seul, hein, je crois que c'est le seul, il est de 92, si je dis pas de bêtises. 13 octobre 92, hein, voilà, donc ça nous rajeunit pas. Mais voilà, je vais changer après, il y a un petit setup, vous allez voir les magazines du dessus. Et puis voilà, parle moins vite. Ben, non, je peux pas parler moins vite, je parle normalement. Et sinon, tu peux mettre la vidéo en ralenti normalement. Et ta collection, ça avance pas. Mais si, ça avance, Anthony. Si. J'en ai parlé. Quand est-ce que j'en ai parlé? Lundi soir en live. Il y a un nouveau jeu qui est arrivé. Voilà, mais bon, il est à côté, mais je le présenterai un petit peu plus tard. Donc voilà, ça va parler de PS2. Mais oui, bah oui, ça. Parce qu'on va, bah oui, 2006. On va remonter un petit peu. Il y a un. Je crois que c'est ça, parce qu'il y a des magazines qui étaient de 2000, 2002, 2001. C'est pour RPG. Voilà, on a fait un lot en commun. Et donc, du coup, voilà, il y a une 30, ça fait 30 kilos. Il y a trois gros colis. 30 kilos de magazines. Et voilà, donc chaque colis faisait à peu près 10 kilos. On a attendu que Le Bon Coin fasse la livraison pour 1 euro pour en profiter. Vous vous doutez bien que. Sinon, ça aurait chiffré un petit peu. Donc voilà. Tu roulais en mobylette à l'époque. Eh non, non, j'avais un scooter. C'était en 95, 95, 96, 96, quoi. Voilà. Alors je vais rester. Ah mais oui, reste, il y a du supplément PS2. J'ai même retrouvé des cartes que j'avais dû avoir, je pense, à l'achat de la PS2. Je ne me rappelais pas. Enfin, des lithographies, voilà, des petites pubs qui étaient avec. Donc je vous montrerai ça avec la facture de la Fnac. Voilà, je vous montrerai ça sur les réseaux. Là, bon, c'est pas le thème de la soirée. Mais on va essayer de passer en revue ces magazines. Alors. Donc, on change, badaboum, voilà, normalement ça fonctionne, je mets la musique, on a un peu de musique, voilà, c'est du Sharp X68000, j'ai découvert ça déboîte, voilà, donc j'espère que j'ai, voilà,
Ingrid, est-ce que tu... Quoi, PS2? Salut, allô, Japon! Mais oui, il va y avoir de la PS2. Bon, là, on commence. Je disais, c'est le magazine le plus ancien du lot. Donc, numéro 13 d'octobre 1992. Alors, bon, vous verrez peut-être pas toutes les écritures, les machins. Voilà, je fais ça avec mes petits moyens, hein, mais c'est pas du... C'est du... C'est un peu du one again. Alors, je vais juste vérifier parce que ça, du coup, je peux couper. Non, c'est pas ça que je voulais... Couper l'entête comme ça et remonter un petit peu. Alors, c'est un peu moins user friendly, hein, on va dire que. Je vais recouper comme ça. Salut Thor, comment ça va? Du coup, on voit pas grand chose dans les commentaires en fait. Il n'y a pas tant de commentaires que ça. Strange. Bon, bref. L'idée, c'est quand même d'avoir un petit peu les commentaires dans la rediff. C'est un peu moins, je disais, c'est un peu moins friendly que. Comment ça s'appelle que. Enfin, chercher le nom. Que Twitch. Bref, bon, je voulais quand même marquer le coup, faire ça sur Facebook, pour la blague. Bah bon, on va laisser ça comme ça, ce sera déjà pas mal. Donc salut Torfab, Julien, j'ai l'impression d'être à nouveau au lycée avec les rétroprojecteurs de l'époque. Eh oui, eh oui. Alors nous allons donc présenter la console le plus, n'oubliez pas, hein, donc Sonic 2, le premier test complet. Voilà. Tu as le poster de Sonic 2 dedans. Eh non, je pense qu'il a dû être enlevé, justement. Je suis allé voir, justement. Parce que les pages du milieu. Alors, la page du milieu. Je vais feuilleter. Je suis allé voir, hein, justement, j'avais la curiosité. Que je dise pas de bêtises. Donc, quand on va. Attendez, parce que je trouve pas le milieu, forcément. On va au milieu. Yop, 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 yop. Et ben, la page du milieu, ben, ça se détache. Donc, je pense que le magazine a dû être. Enfin, le poster a dû être détaché. Voilà, les petites agrafes, elles n'ont pas tenu devant. On voit que ça a été un peu ouvert. Enfin, je vois le refermer. Mais bon. Bon, je vais pas trop m'attarder sur tous les magazines, mais on va les feuilleter un petit peu. Voilà. Salut Louis. Ah, j'espère que tu vas bien, Louis. Je ne sais pas trop ce qui se passe. J'ai vu ta photo de profil. J'espère que ça va. Voilà. Écoute, voilà. On va pas forcément dans les détails, les trucs perso et tout, mais voilà, tu as tout mon soutien et je te fais des bisous. Donc. Let's go, quelques magazines, parce que c'est cool quoi. Donc là, je disais, c'est 92, et je vais feuilleter un petit peu, et après, on va remonter le temps, on va repartir en 2000, j'ai dit 2006, voilà, 2006, juste en dessous, vous le voyez, avec la Wii. Oui, la Wii, hein, la Wii. La Wii, ça devient rétro. J'ai vu un truc tout à l'heure, alors je feuillette vite fait, hein, c'était, je sais pas si on a les noms au début, s'il y a un édito de Banana-san. Alors, je ne sais pas qui était ce Banana-san. Konnichiwa. Voilà. Donc, il y a quelques petites images de ce qui se faisait au Japon. Alors, je voudrais vous montrer un truc, parce que je les ai pas feuilletés tous. Hein. Ça vient, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. On a des jeux, donc, tout ce qui est, on va dire, reportage. Voilà. Le Japon en direct sur Super Famicom. Qu'est-ce que j'ai vu? Super Famicom. On a du Exocity 2, mais je vais passer vite parce que je voulais vraiment vous montrer un truc. Je vais y arriver hein, parce que du coup au Japon, ah, c'est encore après. C'est après, c'est après, c'est après. Et les grandes manœuvres du CD-ROM. C'est pas mal, on arrive à lire tout le magazine. Les grandes manœuvres du CD-ROM, mais qu'est-ce donc? Il y a un chauve. Salut Greg, comment ça va? J'arrive au bon moment. Yes, ça marche, Louis. Donc oui, les grandes manœuvres du CD-ROM. Mais qu'est-ce donc? Alors là, on a un joli méga CD. Oh oui, un petit peu de reflet. Hein, je suis désolé. Voilà, j'ai dit, c'est ma petite technique. Bon, donc là, on a du Philips CDI, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on voit donc là? Compatibilité du futur SFC CD-ROM, le Super Famicom CD-ROM, serait-ce le PlayStation, la Super Nintendo PlayStation? Alors, honnêtement, ils nous ont mis un joli graphique, vous, je sais pas, mais alors moi, quand je vois CDV, CDDA, CD plus G, CD-ROM XA, CDI, SFC CD-ROM, je pense que les mecs étaient quand même bien dans leur truc. Je pense qu'il faudrait lire l'article pour. Voilà. Par exemple, on peut écouter un CD audio avec un lecteur de CD-ROM à la norme XA, mais pas l'inverse. Les lecteurs de CD-ROM commercialisés ce jour ne sont pas. De quoi? Ce jour ne sont pas mentionnés dans ce graphique. Leurs différentes compatibilités sont connues et ont été abondamment commentées dans C+. Bon. Je pense que c'est un peu chargé, quoi. Donc, voilà, je trouvais ça amusant. On est en 92, bah là, on commence à entendre parler du CD-ROM. Mine de rien, voilà. Alors, je ne sais pas quand est sortie la. Ça s'appelle la.
la Neo Geo CD. Parce qu'il y a des endroits où je vois genre des jeux en. Est-ce que c'était là ou pas? Genre Neo Geo 64. Alors je sais pour vous, mais moi ça me parle pas ça ce truc-là. Donc c'est ça aussi qui est cool avec. Non, ça c'est Super Famicom, c'était là-dedans. Je vais tourner un petit peu les pages. Les mises en page, les polices de partout. Ouais, ça partait un peu dans tous les sens. Hein. C'est pas. Bon, alors, quand c'est en plus au début, je pense que c'était. Ça voulait en jeter partout. Japon, c'est loin, comment on peut voir les news? Eh ben oui, dans les magazines. Quel prof de techno, dernier cours avant le week-end. Eh oui, on se pose, on fait quelques petites heures avant de partir en week-end. Alors, pas long, hein, on va SFC. Je suis sûr, j'ai vu. Alors, la PC Engine, forcément. PC d'Engine, c'est celui que le petit bonhomme avec sa tête, il tape avec sa tête. PC d'Engine, enfin, chez nous, c'est. PC Genjin, y a pas un truc comme ça, il y a un petit nom, c'est la mascotte voilà, d'Hudson, de retour. C'est le petit bonhomme qui donne des coups de tête, c'est assez rigolo hein, si vous avez l'occasion de tester. Bon voilà, c'était assez drôle. Je suis sûr, j'ai vu Neo Geo 64, enfin, je sais pas où je l'ai vu. Bref, voilà, ça donne une Thunder Force 4. Voilà. Des belles images quand même. On peut pas dire qu'ils étaient radins en capture d'image. Hein. Là, on a. Un bel aperçu, si avec ça on n'a pas envie de jouer au jeu. Alors moi, des magazines, un magazine comme ça, j'ai pas connu. Hein. Techniquement, moi, j'ai pas eu à l'époque. Je devais lire peut-être d'autres trucs sur, je sais pas, le Club Dorothée, Dragon Ball, j'en sais rien. J'étais pas trop trop magazine. Alors là, on a Sonic 2, intérêt 92%. Je remonte un petit peu. Voilà. Sonic 2. Sympa. Alors ce qui est drôle aussi c'est qu'on voit des. Ah non, ça je l'ai déjà montré, voilà. Je vais avancer un petit peu. Bon le magazine, celui-ci, hein, je disais 92, c'est la petite pépite du lot. Il est évidemment un petit peu en état dans son jus. Hein. Il est dans son jus. Mais ça c'est ce que je trouve sympa aussi. Quand vous regardez les magazines de l'époque, ben vous avez les prix. Ah les prix en francs, forcément. Mais après il y a d'autres trucs sur du prix en. Qu'est-ce que j'ai vu pris? Non, pris en France sur de la PS1. Parce que là, bah, 92, hein, il n'y a pas encore de. Pas encore la PS1. Donc ça, c'était pour la petite vague nostalgique pour démarrer. Et chaque double page me rappelle que tout déchirait vraiment. Bah oui, mais c'était énorme, il y a plein de jeux. La page des prix monte, c'est top. Ah bah si tu veux, je peux le remontrer, mais je peux faire un petit passage vitesse. Si vous vouliez acheter une super Nintendo Famicom Super NES, et voilà, au choix. Hein. Super NES USA plus deux manettes avec prix Spiritel, un jeu au choix selon disponibilité, 1590 francs. C'était chez Compustore Games, c'est pas facile à dire. Est-ce que la Super Nintendo était sortie ou pas? J'imagine, oui, 92 était sortie. Super Nintendo plus un jeu selon un pack de 1290 à 1490. Ah, et comme quoi, c'était pas une grosse, grosse différence entre une console américaine et une console européenne. Est-ce que c'était en neuf? Parce que c'est pas le même délire quand on prend sur PS1 les jeux en version américaine, où j'essaierai de retomber sur des pubs après. Là je vois les jeux, alors c'est du neuf, on est d'accord. Hein. Et pas trop trop d'occases. 590 francs. Super Strike Eagle, par exemple, sur Super Nintendo. Tom et Jerry, 590 francs. Ouais, ça lésinait pour là sur le prix des jeux. Rushing Beat, Super Ball. Castlevania 4, 390 francs, les amis. Voilà. Si vous avez une DeLorean, vous pouvez y aller, vous pouvez, puis qu'elle fonctionne et qu'elle remonte le temps. Voilà. Les publicités de l'époque, ça a tout le cafard. Ouais, faut pas, faut pas. Faut pas, ça, c'est rigolo, c'est rigolo. Bon, je me le mets là de côté. Bah là, du coup, on a des publicités d'époque. Nintendo Famicom ou NES, il faut choisir quoi? Non, c'était super. Alors, c'était super. Nintendo, c'était. En fait, je disais, parce qu'il y a les trois, il y avait Super Nintendo, Super. Famicom et Super NES. Donc en fait c'est la même console, hein, mais c'était la façon dont ils le mettaient, suivant d'où elle venait quoi. Si tu commandes une Super NES, tu peux encore attendre. Les Américaines étaient chères parce qu'on avait les jeux qui étaient en avance. Mais oui, les jeux en avance et puis en plus il fallait les importer. Donc c'était pas le même délire. Donc forcément ça coûtait plus cher. Enfin moi j'ai toujours trouvé que c'est. Enfin j'ai toujours trouvé. J'ai toujours trouvé que c'était débile d'acheter des jeux en import. Parce que, sachant qu'ils allaient arriver après chez nous, et moins cher. Et bon, après, je sais que
je sais que le 60 Hz c'est tout ça, et il y a des jeux qu'on avait en avance et tout, mais je trouvais ça stupide de les payer plus cher alors qu'il y avait tellement de jeux encore à faire et qui étaient pas, enfin, qui venaient à peine de sortir. Voilà. Mais après, c'est aussi parce que j'avais pas forcément accès à de l'import. Voilà, il y a ça aussi. Salut Adèle. Donc, on continue. Voilà, donc le petit console plus qui va bien. Alors, je crois qu'il y a un gros temps de latence hein, entre les commentaires que j'ai, et puisque ce que vous avez, c'est un peu moins direct que sur Twitch, si je dis pas de bêtises. Donc, oula, qu'est-ce que je fais comme bêtise? C'est pas ça ce que je voulais. Hop là. J'ai pas trop fait gaffe s'il y avait d'autres paramètres à changer. Bon, bref, on essaie de continuer comme ça, mais je sais qu'il y a une sacrée latence. Donc, on y retourne. On y retourne. On part de 2006 là, et après on va remonter bah, jusqu'en 96. Alors il y a du Joypad, celui que vous avez vu avant c'était Console Plus. Joypad, Console Plus et Player One. Donc Joypad, je me rappelais plus voilà, qu'il y avait des numéros de 2006. Parce que moi j'avais surtout ciblé des numéros de les plus anciens avant 2000, et j'avais pas fait gaffe, il y a plein de, en fait, il y a plein de numéros plus récents. Enfin, oui et non. Oui, non, c'est-à-dire que ça, c'est une pile avec du numéro récent. Et après, on bascule à 2000. Parce que ce qui est entre deux, c'est pour RPG. Si je dis pas de bêtises, hein, voilà. Donc, je verrai. Donc, cela, Joypad, le Mac des consoles, vous voyez? La Wii. Prêt pour la révolution, vous voyez? Ça arrivait, hein, ça arrivait. Donc, décembre 2006. On va voir comment le magazine a évolué un peu dans le temps. Là, c'est un bon format qui est sympa. Ça rappelle un peu le PlayStation Magazine ou le. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a un Playmag. Playmag, j'aime beaucoup. Oui, je regarde par là parce que les magazines sont posés par terre à côté de moi. Hein, voilà. Donc, Joypad, le Mac des consoles. On est en 2006. Décembre 2006. Vous allez voir, on va faire des bons. Hein, ça, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On a de la 360. Des années 1080, c'est pas mal. La 360 qui à l'époque bah, misait tout sur le HD DVD. Ah, je sais pas si on va le voir. Le HD DVD qui n'était autre que le Blu-ray, mais version autre. Et puis finalement, c'est le Blu-ray qui a gagné. Hein, voilà, de temps en temps, on envoie des films comme ça, mais bah, il faut le lecteur compatible. Il faut le lecteur compatible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite pub, voilà, Micromania. Qu'est-ce qu'on a comme article? Ah bah, forcément, arrivé en 2006, il va y avoir tout ce qui était Internet ou des choses comme ça, je pense. Tout un tas de choses. Là, les previews. Qu'est-ce que c'est? Okami, évidemment. Virtua Tennis 3. Continue un petit peu. Hein, je regarde, je feuillette cinématique espèce menacée. Ah ouais. C'est quand même le truc que nous. On kiffait au début, quoi. La cinématique nous projette dans le futur des jeux vidéo, nous fait entrevoir un univers graphique qui n'est pas encore d'actualité. Le lecteur si rare que ça sur 360, je sais pas. Des fois, par un malentendu, on peut tomber dessus peut-être dans un cache ou une connerie comme ça. Donc, mais il n'y a pas tant de tests que ça dedans, je rêve, ou ça, des articles, un peu de matos, dossier interface. Donc, tous les accessoires. Ah, Et bim! Et bim! Tu l'attendais pas celle-là, hein? Tu tombes là-dessus sur. En 93, c'est une petite rétrospective. Man-machine interface. L'homme-machine. Alors forcément, quand on passe de la Wii aux bornes Sega, ça surprend un peu. Parmi les constructeurs qui comptent, Sega a souvent versé dans le monolithique l'interface, c'est quoi? L'interface imposante qui en jette plein les mirettes, du genre à effrayer doux frissons dans les chines avant qu'on se love dans son siège. Donc, qu'est-ce que c'est? On a du Daytona USA. C'est quoi celui-ci? C'est MRFE? C'est quoi? Sega Strike Fighter, il n'y a pas le nom? Sega Strike Fighter, ok, celui-ci, je connais pas. Je connais pas du tout ça. House of the Dead 2, ça, un classique. Hang-On, ça marche toujours en 85. Hang-On en 85, ils font un saut de. Un saut incroyable, on va voir, c'est dans ce sens-là. Hang-On en 85, Outrun en 86, c'est. Outrun, Cyril, c'est là. D'accord, Hang-On, c'est là, Outrun, c'est là. Afterburner, cette borne-là, si je dis pas de bêtises, elle est dans Terminator 2, hein, si je me trompe pas. Ça, c'est la R360, quand. Bah, si quelqu'un en a encore, bah, je pense que. C'est pas mal. Daytona USA en 93, et c'était. Ah, c'était en 92 la R360, oh la vache. C'est quand même un truc de fou. Hein. Et House of the Dead en 98 et en 2000, voilà, Sega Strike Fighter, là, on fait le tour. On fait le tour, c'est pas mal. L'Empire des Sens, voilà. Ouais, forcément, ça parle des.
des interfaces, des choses avec lesquelles on jouait, on ressentait pas mal de choses, pas juste la manette, avec la période, comment ça s'appelle, la période avec l'arrivée de la Wii. Étonnant, franchement, sur l'épaisseur du magazine, là j'ai les trois quarts. J'ai les trois quarts du magazine à gauche là. Attends, je vais essayer de montrer. À gauche là, c'est du potin. Au programme, Avatar, le dernier maître de l'air. Et là, il me reste plus que ça pour voir les tests. Vache. Je sais pas où, mais la santé la fin là. On a dû, je disais Canis Canemedit, mais c'est Bully. Bully, c'est le nom d'origine, je crois, hein, c'est ça. Donc bien bien noté, 9 sur 10. Voilà, 9 sur 10. Ouais, salut Jérémy, tu vois pas, les bornes, c'est les bornes qui nous montrent là, c'est un truc de fou. Je pense que si à l'époque on avait su, on aurait investi un peu plus là-dedans. Salut Jérémy. Pardon, Brian. Salut Brian, salut Jérémy. Bon, je refais. Et leur dire, oubliez votre méga CD, surtout 32X. Eh oui, ça c'était Six in the City. Non, Rainbow Six Vegas. Rainbow Six Vegas. Toutes les limites. Ouais, les tests sont quand même. Allez, non, c'est à la limite de la petite review parce que là vous avez. J'ai peur donc je suis. C'est quoi? C'est FIR, le test de FIR, le Call of Duty 3. Ah, c'est un test par page. Non, même pas. C'est oui, par feuille. C'est quand même pas mal expédié. Hein. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, 7 sur 10. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent en résumé? À chaque qualité correspond à un défaut. Tenkaichi peut ainsi se préparer tranquillement à la prochaine génération en améliorant certains détails. C'est un concept de marketing qui assure au moins l'avenir d'une série pourtant morte depuis plusieurs années au programme du prochain DBZ. Sans doute les mêmes duels contre les mêmes ennemis, dans les mêmes décors, mais en haute résolution. Forcément, ça change tout. Pas mal. J'ai tapé un 7 sur 10, c'est pas si mauvais que ça. Hein, bon. Et les Budokai Tenkaichi, il faudra que je me fasse une petite session à un de ces quatre. J'ai pas eu l'occasion de faire ça. Je me suis fait une session un jour sur comment ça s'appelle, sur les WRC, le premier qui était sorti sur PS2, puis ainsi de suite, 1, 2, 3, 4, 5, je crois. Et voilà, j'en reparlerai peut-être un jour. Hein, mais alors là, on passe carrément à deux tests sur une page, sur une feuille. Non, c'est. Mais oui, c'est un test, quoi. Il y a même pas de notes. Allez, bim! Bon, voilà, ça c'était en 2006. Alors, il y a un petit supplément, Edge. Je me souviens qu'il y avait ce magazine-là, Edge. Alors, je sais pas trop, c'est un petit supplément qui est avec. Mais Joypad avait l'air de mettre pas mal de suppléments. Il y avait toujours comment dire, un petit feuillet avec The Rock. Est-ce que ça c'est pour l'arrivée de la. Non, c'est quoi? Motor Storm, le meilleur magazine Edge ne peut être vendu séparément. Supplément gratuit à Joypad 169. Bon, bah, je continue. Continue parce que sinon on n'est pas couché de la 6h30 et il y a plein plein de magazines. Salut Damien! C'est enfin le week-end. Et oui, ça y est. À l'époque, on avait des démos sur nos consoles. Oui, et oui, et oui. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour tout faire. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, on va essayer de tenir, allez, jusqu'à 7h30. Mais pas plus tard parce qu'après, après c'est la. Bah, après, il n'y a pas de pote pour aller manger. Donc là, je vous ai dit, on faisait un bond. On passe de décembre 2006 à janvier 2006. Le Mac des consoles. Joypad, voilà. Donc les consoles PlayStation 2, Xbox 360, GameCube, Xbox, Nintendo DS, PSP, GBA et N-Gage. Voilà, c'est ça ce qu'on avait en 2006. La N-Gage, je regarde, mais la N-Gage avait dégagé en décembre. Hein. Donc de janvier 2006, on avait la N-Gage qui était tout au bout. Et là, il n'y a plus de N-Gage. Hein. PS2, PS3, PSP, Xbox, Xbox 360, GameCube, GBA, Nintendo DS et Wii. Voilà. C'est assez drôle, hein, de te dire. Bon, la N-Gage, ils avaient de l'espoir quand même. Donc, pas assez cher, mon fils. Ma petite. L'arrivée de la Wii, je pense, voilà. Forcément, avec les pubs. Bon, je passe assez vite, mais Flipper sur PSP. Ouais, c'est clair que là, sur un seul magazine qui fait. Allez, 130 pages, ça passait assez vite, je pense, pour passer en revue toutes les consoles qui sont mentionnées au début. C'est chaud quand même. La Rolls du FPS Online sur PS2 et Xbox. Battlefield 2, Modern Combat. 5 sur 5. Et sur PS2, j'espère que la musique est pas trop forte, hein, vous me dites sinon. C'est quoi ça, N-Gage? J'allais d'ailleurs feuilleter les anciens magazines aussi, mais j'en possède qu'un. Ah, c'est chaud, Jérémy. Alors après, ça se trouve encore même dans les boutiques. Des fois, tu peux demander genre un lot de vieux magazines. Oh, bah j'ai un pigeon qui se pose sur ma fenêtre. Allez, dégage. J'espère qu'il rentrera pas. Sinon, ça va être bataille aux pigeons. La force à roulette. Alors, est-ce que c'est. Oui, le online. Bon, j'ai un pigeon qui me tient compagnie, c'est rigolo.
Il a musclé son jeu Project Gotham Racing 3. Voilà, je sais pas, vous voyez bien. Sympa, en fait, c'est propre. C'est propre, c'est propre, mais c'est pareil, j'aime bien feuilleter un peu les magazines. Alors, il y a cette période post-PS2, après 2005, on va dire, parce que là, c'est ça, c'est janvier 2006. Allez, fin PS2, soit avant la PS, soit avant la PS2 ou après la PS2. La période PS2, j'ai déjà plein de PlayStation 2 magazines. Et bon, après, c'est sûr que ça donne pas forcément la vision de ce qu'il pouvait y avoir sur GameCube ou Xbox. Mais bon, je me dis que j'ai déjà assez de lecture à faire comme ça. Ah, c'est marrant, le tripode, là, on dirait un truc de comment ça s'appelle Ah bah j'ai perdu le nom. Pas la planète des singes, mais... en plus, j'en ai parlé du jeu. À la fin du monde. Le truc de Spielberg... Enfin, c'est pas Spielberg, hein, mais le film avec Tom Cruise. Bref, ça m'en reviendra. C'est pas grave. Ah oui, je disais, il y a des petits suppléments. Voilà. Par exemple, il y a un supplément. Et tous les suppléments, normalement, sont bien avec. Hein. Il les avait bien gardés. Parce que c'est le genre de truc, à la limite, qui... On ne sait pas trop où ça va. Ça pourrait partir à la poubelle. Mais je sais pas trop pourquoi il y a des suppléments comme ça. Donc, les jeux les plus attendus de 2006. Voilà. Donc, ils refont un petit truc à part. Plutôt que de faire un article dedans, ils mettaient un truc comme ça. Bon, why not? Why not? Why not? Donc, voilà un petit peu ce qui nous attendait, on va dire. Sega Classics Collection. Prochaine sortie, Top Spin le 15 janvier, 27 janvier, Mario et Luigi Partners in Time, Madden NFL 06, ça c'est Dead or Alive 4 le 13 janvier, on est en 2006, hein, 18 janvier, solde d'hiver, parce que c'est quand deux bombasses PS2, face à prix cassé, il y a de quoi devenir jouer à ça. Ce sera ainsi le cas de God of War et de Tekken 5 qui seront, parce que vous voyez pas grand-chose. Qui seront suivis des moins réjouissants. MotoGP 4 et Formula One 2005. Ouais, c'est des petits prix, je pense. Voilà. Dragon Ball Z, Super Sonic Warriors. Bonne année PS3. Ouais, sympa. Les fameux smartphones. Hein. Nokia, toujours dans la place. Bon, voilà, sympa. Sympa avec le petit supplément. Et puis et là, c'est pareil. Vous avez un supplément. Je dis pas de bêtises. Ne peut être vendu séparément. Joypad 155. Ah, c'est celui d'après. Le 158, on est en décembre 2005, donc là on était en janvier 2006 et on bascule à janvier 2005. Voilà, Soul Calibur 3, une belle cover, sympa. Le test du jeu de baston qui tranche dans le vif du sujet Xbox 360. Faut-il craquer tout de suite? Je sais plus quand elle est sortie la 360, je sais plus exactement. Le pigeon est fan de Batman et Robin sur PS1, je crois, je crois. La guerre des mondes, merci Jérémy, c'est ça, c'est la guerre des mondes. Je sais Christophe, j'essaie de répertorier toutes les consoles ainsi que les jaquettes avec leurs bonus vendus avec beaucoup de recherches. Ah oui, j'imagine. C'est une console Nokia. Oui, non, c'était une blague. C'était une blague. C'était une blague pour la N-Gage. Non, non, on sait bien. Avec la fameuse cartouche qu'on mettait à l'intérieur, qui était pas pratique hein, en termes de comment on peut dire, en termes de j'ai pas jouabilité, mais technique. C'était pas terrible. Hein. Qu'est-ce qu'on avait en décembre 2005, juste avant Noël? Normalement, Noël, c'est là où tu mets le paquet, quoi. Cipriani m'était compté. GTA Liberty City Stories. Ça, c'est sur PSP. Voilà, je suis en train de chercher, voilà, la petite PSP. Enfin, 8 sur 10, hein, c'est honorable. Hein, voilà, 8 sur 10, ça se passe pas mal. Le cocktail GTA, sexe, drogue et violence. Violence. Un Soul Calibur 3 en 3 adjectifs, riche, ambitieux et prenant, 8 sur 10. Sur quoi on est sur quoi? Est-ce qu'ils l'ont mis ou pas? Soul Calibur 3 parce qu'il y a eu deux. C'est sur PS2. Pas 360 ou c'est parce qu'il est sorti après? C'est peut-être Soul Calibur, je confonds pas. Hein, c'est bien celui où genre il y avait la jaquette ou c'est à partir du 4 ou genre sur. Il y en a un qui avait Yoda et l'autre Dark Vador, il n'y a pas un truc comme ça? Il me semble que j'ai un vague souvenir, quoi. Ah, sous le Calibur, ça marche toujours, quoi. T'as reçu ton TCK? Non, pas encore. Pas encore TCK, pas encore. Bon, ça serait tardé parce que j'ai vu tout le monde l'avait reçu. Donc, je pense que ça va pas tarder. Donc, il y a de fortes chances que lundi, on teste Why Not? Tester tout simplement TCK en live, ça pourrait être cool, quoi. Ça fait des années que j'achète plus de magazines. Ah bah oui. Non mais là clairement c'est des magazines rétro, hein, on va dire. Sinon magazine. Ah bah non, il est là le supplément. Voilà. Le guide d'achat, bah voilà. Plus de 100 idées cadeaux, console, jeux, pack pour Noël 2005. Le petit guide d'achat, Escambas 5, Champions, je connais pas. Jack 3, Makai Kingdom, je connais pas.
Allez, LFP Manager 2005, si tu reçois ça alors que t'es fan de jeux de bagnole ou de jeux de plateforme, t'es mal, hein. Hop, Fahrenheit. Oh, bah, ça se détache, faut que j'aille doucement. Doucement, mon petit. Fahrenheit, aventure. Dans ce titre, à mi-chemin entre le monde du cinéma et celui du jeu vidéo, vous devez mener l'enquête sur une série d'assassinats étranges. Vous vivez l'aventure à travers un trio de personnages en gérant jusqu'aux aspects les plus triviaux de leur existence en vue d'espérer atteindre enfin la vérité. Jeu d'aventure atmosphérique par excellence, Fahrenheit se révèle une œuvre unique. C'est marrant parce que quand j'avais testé le début de Fahrenheit, je me dis, il y a beaucoup de points de similitude avec Détroit. Bon, je suis pas allé plus loin, ça s'arrête peut-être juste là, le côté QTE, mais rien que le speech, tu mettrais ça sur Detroit Become Human, tu fais, bah on est pas loin, on n'est pas loin. Donc, septembre, on était en décembre 2005, allez, on remonte, en septembre 2005, il va falloir que j'accélère, hein, parce que si on veut remonter jusqu'à 96, la Engage qui était toujours là. Donc là, King Kong, impressionnant l'adaptation du film de Jackson, on met plein la tronche, ils n'hésitaient pas. Si je dis pas de bêtises, c'est le papa de Rayman, hein, qui s'est occupé de King Kong. Si je dis pas de bêtises. Moi aussi, je le reçois lundi. Ah, j'ai pas de suivi, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait attention. Il y a des magazines sur le rétro gaming, mais tu dois les connaître. Oui, c'est vrai, Christophe. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. En fait, c'est vrai que je m'y suis. Alors, Collector quelque chose, il y a un truc comme ça. Il y a Rétro Collector, je sais plus comment c'est. Il y a des. Effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a des magazines. Je me dis, par exemple, ça serait une bonne idée de demander un abonnement à un magazine comme ça à Noël, à mon anniversaire. Voilà, par exemple, tu vois. Quand la famille demande toujours oh, mais qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Et ben, un abonnement pour un magazine, ça peut être cool. Parce que je sais, par exemple, que quand j'étais. Je regardais No Life, par exemple. Je savais pas forcément, il y avait IG Mag, et il y avait des membres de No Life qui étaient dedans. Et du coup, le magazine était très très bon. Voilà, si j'avais su, je pense que ce magazine-là, je m'y serais peut-être abonné. Voilà. Rétro Gamer, ouais, c'est ça. Et Rétro Gamer, mais je crois qu'il me semble qu'il y en avait un autre. Après, bon, il y a des trucs qui sortent plus étalés. Bon, il y a Rétro Laser aussi qui est un peu avec de l'actu un peu rétro, on va dire. Mais bon, comme j'ai aussi toujours plein de magazines comme ça à lire, donc bon. De Star, oh, ça c'est du, on dirait du Kingdom Hearts, mais effectivement, je me dis un magazine récent, demander un petit abonnement, ça peut être cool quoi. Ça ressemblait à du Kingdom Hearts, ça non? Non, avec Jack Sparrow dedans, niveau de la modélisation, on est pas mal. Hein. Voilà, donc viser un petit supplément. Alors, il y a moins de pubs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a moins de pubs avec les prix. Il y a plus de, enfin, il y a des prix de. Là, on voit 9 télécoms, hein, 29,90 € par mois pour ADSL illimité jusqu'à 20 mégas. Appel illimité vers les postes fixes, abonnement téléphonique inclus, sans changer de numéro de téléphone. Avertissez-moi, ça c'est Hitman, without warning. Non, peut-être pas. Non, qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas le nom du. Qu'est-ce que je dis, without warning? Héros de without warning, c'est le nom du jeu? Voilà. Quelqu'un a déjà entendu parler de ce jeu-là, Without Warning. J'ai jamais entendu parler de ce truc-là. À tort qu'elle a raison. Tekken en banlieue. Développé par l'équipe de Soul Calibur Urban Reign. Vous permettra d'exploser les gencives de vos adversaires sur un terrain de basket, un parc, un marché. Les nouveautés. La nouveauté du mois consiste en l'apparition parmi la soixantaine de persos jouables de Law et Paul, les deux stars de Tekken. Un mode de jeu plutôt cocasse intitulé. Object Battle sera lui aussi de la partie. Réussirez-vous à protéger votre pile d'ordures et des assauts de vos adversaires? Je ne l'ai pas encore testé, celui-ci, je dois l'avoir, je crois. Je suis pas sûr, mais. Bon, voilà, sympa. Ah oui, la pub pour le Fahrenheit. Ah, cool. Elle est belle. Oui, passant. Un thriller paranormal réalisé par David Cage. Voilà. Bon, je continue. Allez, je continue, je continue. On remonte septembre. Allez, on fait un saut de puce. On va jusqu'en avril 2005 et après on va remonter en 2000. Voilà, c'était la petite période next-gen, on va dire. Voilà. Donc, aussi Retro Gamer Collection. Ah, c'est ça. Ça vient de la même édition. Je crois que ce sont des magazines d'origine anglaise qu'ils traduisent pour les vendre chez nous. Ah, je sais plus. Je sais plus. Ouais, c'est possible. Tourne pas trop vite, j'arrive pas à tout lire. Ok, ça marche, Damien. Condemned, ça me dit quelque chose celui-ci. Mais voilà. Vous voyez, typiquement sur cette période-là. Moi, je suis quand même assez largué. J'ai pas forcément suivi l'actu. Bon, d'avoir un petit magazine pour prendre la température à un moment. Voilà. Oh, Bradley chez Nokia. La Engage. Ils en parlaient encore en 2006 et là ils disent qu'elle va être bradée chez Nokia.
Vous n'avez pas tout capté, le salon des téléphones mobiles. Par le pouvoir du crâne ancestral. Ouh, dites donc, fils caché de Conan et de Dave, Musclor s'offre une seconde jeunesse à la télévision américaine grâce à une toute nouvelle série animée permettant ainsi à Midas, sans doute sous le charme du beau blond, d'en proposer une variante polygonée sur PS2, que les fans se rassurent. Heyman, nom américain du Musclor, pourra chevaucher son tigre de combat pour venir à bout de Skeletor, à grand renfort de roquettes et de coups de griffes. On parle d'une dizaine de niveaux et d'un prix de vente des plus attractifs. Forcément, si c'est Midas qui a fait ça, étrange, étrange, étrange. De retour pour tout casser, Reckless 2. Et pas mal de jeux que je connais pas trop. Hein. Pas mal de jeux que je connais pas. Lancez-vous dans une quête épique digne des 12 travaux d'Hercule. Ça, c'est du God of War. Bon, Eyes, ouais, c'est juste pour le plaisir des yeux. Robotech version gentil renard. Star Fox Assault sur GameCube. Ah, c'est sympa d'avoir un petit texte qui remet un peu dans le contexte. Je veux dire, parce que c'est toujours un peu compliqué quand quelqu'un vous dit ah, ce jeu-là, il est génial. Quand on le teste 10 ans après, qu'on n'a pas d'affect avec, c'est compliqué, quoi. Même moi, quand je dis Ridge Racer sur PS1, il est trop bien. Vous imaginez quelqu'un qui découvre ça maintenant, enfin, ah, mon Dieu, c'est horrible. Bon, voilà. Donc là, on était en 2005, avril 2005. Je me demande s'il n'y avait pas un. Regarde. Parce que je me demande si dedans, il n'y aurait pas Jean. On va faire gaffe. S'il n'y aurait pas du poisson d'avril. Parce qu'il y a un numéro. Je me demande si c'est pas marqué. Le poisson d'avril. Donc, du coup, à se méfier. Là, voilà. Typiquement, à se méfier. À se méfier de la connerie. Il y a moyen. Il y a moyen qu'ils en aient glissé gentiment sur le numéro d'avril, quoi. En cherchant. Voilà. Donc, je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs sympas. Et là, numéro 151, supplément au numéro 151. Un spécial console portable. Sympa. Voilà. En 2005. C'est pas de bêtises, hein. Je dis avril 2005. Qu'est-ce qu'on avait en console portable? La DS. La GBA, chaudron à innovation. La DS, la PSP, la GBA et la Gizmondo. Oh, est-ce que c'est pas une blague? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quelqu'un a connu ça? Au secours. Au secours, aidez-moi. Dino est de retour. PSP. La PSP, dérapage contrôlé. Ah bah là, oui, forcément, Ridge Racer. Ah là, par contre, Ridge Racer sur PSP, vous pouvez y aller, hein. Parce que ça reprend des anciens. Les anciens circuits des premiers Ridge Racer, mais à une sauce beaucoup plus visuellement, ça tape plus, quoi. La Gizmondo avait un vrai potentiel de machin, je connais pas du tout. Vous avez magazine Abandonware si vous voulez lire vos vieux magazines. Oui, aussi. Ils y sont pas tous, hein. Par exemple, les PlayStation Magazine, ils sont pas tous. Mais bon, effectivement, j'aime bien encore avoir le papier, mais c'est vrai qu'il y a des fois, ça m'arrive. Même si j'ai certains magazines, des fois d'aller rechercher si je suis pas à côté ou quoi, d'aller sur Abandonware Magazine pour aller rechercher quelques extraits des articles. C'est assez rare, mais quand je peux, voilà, ça m'arrive. Effectivement, j'ai pu relire tous les Super Power grâce à Abandonware. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça. Hein. Donc, PSP, sensation assurée. Bah, voilà, Wipeout, Ridge Racer. Là, 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 on avait des vraies licences au lancement, quoi. du coup, elle est où la Gizmondo? Ah voilà, la bonne à tout faire, Gizmondo, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Sous un nom rigolo se cache un sérieux outsider bourré de fonctionnalités avec lequel il faudra tout compter, à commencer par son argent de poche. Aïe. Il y avait vraiment des. Un jeu de rallye, Donjons et Dragons. Voyez, bah, comme quoi on en apprend tous les jours. Si c'est une vraie console, j'en ai jamais entendu parler. Lancement, environ une vingtaine de titres seront disponibles, groupant volontiers des valeurs connues, Richard Burns Rally, Age of Empires, Conflict. Bon, j'ai cherché parce que comme c'est un truc du 1er avril. Mais Gizmondo, ça me dit absolument rien. Bon, après le design n'est pas bien. Elles sont pas mimi. Bon, j'irai voir quand même. J'aime bien me méfier quand même des numéros du 1er avril. Et là on est en avril, mars, voilà, mars 2005, pareil, Midnight Club 3. J'avais adoré le premier. J'avais mis un peu l'accent dans une vidéo en expliquant que Midnight Club était sorti avant le premier GTA. Ça venait de chez Rockstar et je reste persuadé que dans Midnight Club, le premier, on a une espèce de. Comment je peux dire? Il y a les prémices de GTA. C'est-à-dire que
Si vous jouez à Midnight Club, vous allez voir qu'il y a des endroits, il y a des passages secrets, vous pouvez traverser la ville un peu comme vous voulez. Il manque plus que le fait que le mec sorte de bagnole pour aller choper d'autres voitures, mais en gros, il y a une espèce d'inspiration pour moi, GTA, mais comme Midnight Club est sorti avant, ça lance un peu le truc, un peu l'idée. Enfin, j'avais trouvé ça cool, quoi. J'avais bien aimé Midnight Club, donc pareil, j'ai récupéré le 2 et le 3, et le 3 qui existe en double edition, mais rapide, nerveux, impressionnant, le meilleur du street racing. Alors ça devait être avant que sorte Need for Speed Underground 2, je crois. Ou alors, est-ce que c'est inspiré? Est-ce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais Planète Alcatraz. Paria. Ah, Paria. Jamais testé. Ah oui, oui. Une image comme ça. Enfin, quelques images comme ça. Hein, je me dis... je vois ça. Ben, je vois quelques images. Je vois les décors et tout. Ouais, ça a l'air sympa. Voilà. Ça peut me donner envie de jouer au jeu. Donc, typiquement, feuilleter de... Voilà. Je veux dire, des petites choses sympas. Donc ça, c'était vraiment... vraiment la période. Oh là là, ça c'est les. Oh, ding. Ça c'est les sonneries. Envoie 33, 33, 33 au 10, 11, 12 pour avoir la sonnerie de In the End, In Too Deep, je sais pas quoi, Moby Sen, My Immortal, où c'était des petites images. Facile le jeu mobile. Ouais, tu m'étonnes, tu payais une fortune. Qu'est-ce qu'on a là? Aventure antérieure. King... C'est quoi? C'est Kingdom Hearts? C'est Kingdom Hearts, mais pas Kingdom Hearts? Sur GBA. C'était quoi? Kingdom Hearts, Chain of Memories. Ok. Bah, je suis déjà largué quand il s'agit de jouer aux épisodes sur PS2, mais alors en plus il y en a un sur GBA. C'est pas gagné. Pour trembler de plaisir, Resident Evil 4, qui va avoir le droit à son remake là dans pas longtemps. Mais bon, bah, moi j'ai pas joué hein, celui-ci à l'époque. Megastar Joypad. Voilà. 4 ans d'attente, enfin récompensé. Et de quelle manière avec Resident Evil 4, Capcom offre un nouveau départ à sa série culte fixe et fixe. Par la même occasion, le nouveau standard technique des productions sur GameCube. Ça claque. Oui, parce qu'au début, ça devait être une... C'était une exclue GameCube, si je dis pas de bêtises, voilà. Et après, c'est passé un peu partout, même jusque sur la Wii. Et puis du coup, bah, maintenant, il y a le remake, quoi. Ça serait sympa de nous faire des vidéos sur des dates clés de sortie de jeux en nous présentant les magazines de l'époque. Back to the review. Mais oui, mais ça... Ça fait partie de ce qu'on a commencé avec PESCA sur PlayStation. Non, pas PlayStation. Oui, alors PlayStation et moi, il y avait un passage, il y avait des jeux. Je présentais des jeux et je présentais, comment ça s'appelle? Je présentais aussi le magazine, le jeu, la version physique, le gameplay et le magazine. Voilà. Alors. Voilà. 2000. Alors, je vais sûrement devoir faire ça. Voilà, attendez. Je vais mettre ça par là. Console Plus. Et là. C'est là, parce que je vais devoir séparer en deux la pile, sinon ça fait trop. Voilà, on est sur Joypad en 2000. Tomb Raider 5, la fin de Lara, sur PlayStation. Et là, 2000, moi, c'est ça que j'aime bien, parce que c'est la transition entre la PS1, ma petite console que j'affectionne tout particulièrement, vers la PS2, mais Shenmue, alors, du coup, c'est aussi la fin de la Dreamcast. Enfin, 2000, enfin, là, on est à fin 2000, hein, numéro décembre 2000. Donc c'est une période, je pense, assez charnière. Hein, donc Quake 3, enfin le online. Une belle couve. Alors là, le mag est quand même hyper épais. Et dedans, il y a un petit supplément. Je ne dis pas de bêtises. Supplément à Joypad numéro 103. Sur la PS2. Obligé. Hein, 30 jeux pour choisir. Tekken Tag, SSX, Dead or Alive 2, Hardcore, FIFA 2001, NFL 2001, Ready to Rumble 2. Donc il y a quand même un paquet de jeux qui était annoncé. Et forcément, hein, quand bah, j'écoutais la vidéo avec Régis Monterrain, je vous recommande, hein, sur la chaîne de Recalbox, allez voir, il y a 4 heures de bonheur, ça parle de Sega, de la Mega Drive jusqu'à la Dreamcast, et c'est un pur bonheur, et il explique bien que Sony a su faire patienter ses joueurs pour dire, bah, attendez, patientez encore un petit peu avant d'acheter une Dreamcast. Regardez tout ce qu'on va vous mettre dans la PS2. On attend un petit peu pour vous faire la meilleure bécane. Time Splitters. Voilà, Madden NFL 2001. Bon, c'est pas trop ma cam, les jeux de sport, mais bon, voilà, il y en avait pour tout le monde. Espen Track and Field. À l'époque, il y avait encore du Track and Field. Hein, voilà. 7 sur 10. Ah, il y a les notes avec en plus. Dynasty Warriors 2, 7 sur 10. Ah, Dead or Alive, 8 sur 10. Le 2, hein, bien sûr. Tekken Tag Tournament, 8 sur 10. Voilà. Technique, esthétique, animation, maniabilité, son, durée de vie, tout est parfait. 32 persos, des graphismes qui tuent, une animation en 50 Hz. Eh oui,
Oui, il y avait déjà ça. Bon voilà, petit supplément sur la PS2. À part la barre de la Dreamcast. Cette période fin 90, début 2000 est à mon sens la plus belle. Bah ouais, c'était une sacrée période quoi. Donc on avait ça se bataillait un petit peu quoi. Tu sentais que ils en voulaient un peu quoi. Driver 2. Donc là, je pense qu'on le voit sur PlayStation, mais les graphismes qui sont en bas. Ou alors c'est vraiment parce que les captures sont toutes petites, mais ça tournait sur PC et ça devait tourner aussi sur Driver 2. C'est sorti sur d'autres consoles. Bon, il y a un petit peu, mais Zelda, Majora's Mask, qu'est-ce que je fais? Non, je fais pas de bêtises. Joypad, mode d'emploi. Okay. Ah oui, bah oui, les fameuses Solus à la fin. Les jeux, allez, un petit peu le coin. Les astuces avec les codes, voilà. Le côté PC, avec les PC, les jeux PC du moins. Ah, PC, c'est le mal, c'est caca. Alerte rouge 2, un concept usé. Heavy Metal FAQ. FAQ2, je sais pas. Pas trop ce que c'est. Mal dégrossi. Je connais pas. Crimson Skies qui a dû sortir sur Xbox d'ailleurs, celui-ci. Il me semble que je l'ai sur Xbox. Toutes les sorties Game Boy Color. Oh, regardez-moi ça si c'est cool quoi. Ah, c'est cool, il y a vraiment plein de choses, plein de sorties, plein de. Army Men, Sarge Heroes 2 sur. C'est la note 4, 5, 6. Non, c'est pas la note. Toutes les sorties européennes, non, c'est par numéro. Mister Driller, NBA Live 2001. Là, il nous parle de ça sur PlayStation. PlayStation, PS1. Machine PlayStation, c'est marqué aussi. Allez. Crash Bash. Crash Bash, 7 sur 10. Note d'intérêt, voilà. Du multi. Est-ce qu'il y a un petit. C'est à plus de 500 000 exemplaires que les trois premiers volets de Crash Bandicoot se sont vendus en France. Ah oui, il y a plus de 20 millions dans le monde. Ah oui, je me dis, attends, il y en a eu plus que ça de vendus des Crash Bandicoot. Dans le monde entier, voilà. L'an passé, Crash Team Racing a tenu ses promesses, plus de 200 000 exemplaires vendus en France, et a conservé toute la fraîcheur et le fun qui ont fait le succès des titres précédents. Pour ce cinquième volet, 125 000 pièces de Crash Bash seront mises sur le marché pour eux. Le Noël des petits Français afin d'assurer la pérennité de ce personnage emblématique. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais c'est marrant parce qu'il y a des jeux, il y a des jeux qui se sont bien vendus, qui coûtent une blinde. Et à côté de ça, il y a des, je sais plus sur la vidéo pour la Dreamcast, il y a un jeu, je sais plus quel jeu c'était. Le jeu s'est vendu à 2500 exemplaires en France. Je crois que c'est ça. Il semble qu'il y a un truc comme ça. Et pourtant, c'est pas un jeu qui cote énormément sur Dreamcast. Ouais. Metropolis Street Racer, je le connais celui-là. FIFA 2001, toujours sur PS. Hein. Shenmue, oulala, 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 Shenmue, le premier, on est d'accord. Hein. Note d'intérêt 9, si vous comprenez l'anglais. Aïe, c'est chaud. Hein. Bon, c'est toujours plus compréhensible. On va dire, on est en 2000, c'est toujours plus compréhensible que le japonais. Mais ce qui était hyper fort quand même, c'est voilà, ce qu'on parlait ce week-end encore, c'était le fait qu'on pouvait jouer à des bornes, mais enfin, des bornes de jeu dans le jeu, quoi. C'était quand même très très fort. Voilà. À découvrir aujourd'hui, c'est peut-être un peu particulier, mais tous ceux qui ont pu grandir à la sauce GTA, quoi. 18-Wheeler, ça sur PS2, ça vaut rien. Mais par contre, ça va vous éclater. C'est un jeu, si vous aimez les jeux d'arcade, bah, c'est du Sega, hein. Vous conduisez un camion avec le. Est-ce qu'on a la vue cockpit ou pas là? Il y a la vue cockpit avec le rétro. Normalement, il y a un porte-clés. Vous avez un truc qui se balance au rétro. De porte-clés, je sais pas quoi. Un petit truc qui se balance. Ouais. Excellent. Excellent. Du coup, il faut que je mette ça ici. Je vais faire dans l'autre sens. Voilà. Un petit. Pareil, un petit fascicule, vous voyez, ils aimaient bien mettre ça. Le TGS, le Tokyo Game Show, à pas confondre avec le Toulouse Game Show. Il y a des jeux qui sont chers mais qui sont mauvais. Ah oui, ça, c'est clair. Hein. T'as quel bouquin de chez Omake Book ou Pix and Love? Désolé pour l'orthographe. Attends. Oui, PlayStation et pas PSX. Mais oui, mais oui. C'est clair que l'arrêt de la Dreamcast, ça fait très mal. Ah bah oui, mais en même temps, quand on. Je vous recommande hein, vraiment les deux lives avec Régis Montéra. C'est assez long à écouter, mais ça, voilà, ça s'écoute comme une émission à la radio. Et il y a les livres évidemment qui vont encore plus loin avec plein plein d'anecdotes. C'est l'histoire de Sega ou un truc comme ça, je crois, l'histoire non officielle de Sega. C'est bourré d'anecdotes sur Sega, mais ils n'ont pas arrêté de se tirer la bourre entre Japon et États-Unis. C'était une catastrophe. C'était un combat d'ego entre le Japon et les États-Unis.
les États-Unis qui prenaient certaines décisions, mais le Japon qui suivait pas, qui. En fait, c'est assez bien résumé dès le début de la vidéo où il explique, il dit bah, en fait, il y a très peu d'entreprises qui sont capables de supporter un gros changement, passer d'entreprise allez, locale à entreprise mondiale, à entreprise nationale à entreprise mondiale, voilà, internationale ou vraiment mondiale. Et ces gars, on a fait un peu les frais, quoi. Je pense que ça partait un peu en tous les sens. Et voilà, c'était. Il y avait beaucoup, beaucoup d'argent dépensé pour parfois rien, quoi. Ah, c'est les joypads. Non, non, oui, effectivement. Désolé, Yannick. C'est sympa de me faire partager ça. Mais avec plaisir, Damien. Voilà, je m'étais dit, on va faire un petit live. Bon, voilà, j'avance assez vite. On va remonter encore un peu plus dans le temps. Là, faut-il acheter la PS2, par exemple, un petit dossier. On était en novembre 2000. Medal of Honor Underground, Le Monde des Bleus 2, Ferrari 305 Challenge sur Dreamcast, ouais, plein de tests, Mario Tennis sur N64, et puis le petit fascicule. Ah là, on a pas mal de tests. Là, c'est quand même, on sent qu'il y a un peu plus. Allez, je vais juste le montrer. D'ailleurs, il n'y avait que dalle en test, hein, quand même. Là, on a. Ah, c'est pas tant que ça, hein. F355. Top 10 de la rédac. Après, c'est des. Ah, c'est. Le PlayStation Magazine était conçu un peu comme ça aussi, où il y avait pas mal de previews au début. Ah, le questionnaire, il est répondu. C'est rigolo. Les cases sont cochées dans le magazine. Le petit questionnaire, il est. Vous connectez-vous sur le 3615? Cheat. Souvent, parfois, jamais. Jamais. En matière de jeux vidéo, qu'espérez-vous trouver sur Minitel? Des solutions, des concours, des infos, des dialogues? Vous n'allez pas sur Minitel. J'adore, c'est rigolo. C'est rigolo, tout est coché, c'est marrant. Voilà. F355, Challenge, Passione Rossa. Bon, j'avance, j'avance. Il était un petit peu exigeant ce jeu-là. L'absence de gestion des dégâts, les réactions des concurrents. Où est passé le mode Link? Et parce que du coup, bah, le mode Link sur console, enfin sur borne d'arcade, où on jouait à plusieurs à F355 Challenge. Mario Tennis sur N64. J'ai jamais joué à celui-là, je crois pas. Ça me dit rien. Bien, bien noté, 8, voilà, 8 sur 10. Bref, reste très sympa. Ça donne bien envie de. Voilà, je sais pas vous, mais moi, ça donne bien envie de feuilleter tout ça. Alors voilà, là, on est vraiment sur. J'ai du mensuel. C'est vraiment mensuel. Il y a tous les numéros. Bah, du coup, numéro 102. Là, on est numéro 101 pour octobre 2000. Pareil, petit supplément Nintendo Puissance, GameCube, Game Boy Advance. Poképad, toute l'actu Pokémon, plus de 50 pages de tests. Ah bah voilà, là, il y a. On sent de toute façon, on voit que le magazine, là vous en avez pour votre argent 178 pages. Après, il y avait un petit souci aussi, je me souviens, dans les derniers PlayStation Magazine, où en fait il y avait. Alors là, c'est une pub. Pub. Il y avait une pub. Une page de pub. Une page de magazine. Ah, ces pages de magazine. Alors sur les tests, il n'y avait pas trop. Mais là, deux pages de pub. Vous n'avez pas de. Voilà. C'était soit il y avait une page de pub, une page d'actu, ou deux pages d'actu. Et genre deux pages de pub. Mais il y avait vraiment beaucoup de pubs. Hein. Toutes les sorties européennes. Grind Session. RC de Go. Très bien ça, RC de Go. Sympa ce petit. Un petit passage en revue. Sympa. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est. Là par exemple, on a un magazine. Magazine qui est pas, on va dire, pas pro PlayStation. Parce que moi, je suis très lecteur PlayStation Magazine. Ah ouais. Et des fois, c'est bien d'avoir un regard d'un autre magazine, même si. On sait qu'il y avait certains magazines qui étaient un peu pro Nintendo, d'autres pro Sega. Enfin voilà, oui. Salut Louis Kang, rétro, comment ça va? Salut Raph. Tu prends ta dose ou pas? Yannick, tu as raison, le live s'appelle Press Star de Omake Book. Le livre. Ah ok. Super console, la PS2, ça lui fait quel âge? J'aimerais bien savoir ta meilleure expérience sur PS2. La PS2, ça fait. C'est sorti en 2000, donc de 22 ans. 24 novembre 2000, je crois que c'était ça. Hein. Mais Prestart rétro, ouais, je l'ai. En plus, je l'ai là à côté. Mais j'ai commencé à lire, mais j'ai pas fini. Pas de Densha de Go. Non, c'est honteux, c'est honteux. Ben, je vois. Par contre, il y a un Muppet Monster Adventure. Voilà, celui-ci. Il y a Muppet Monster Race. Et là, c'est Adventure. Ou c'est la même chose. Faudrait. Mais oui, c'est la même chose. C'est un jeu de course. On dirait un jeu de course. Je sais pas. Ouais, je teste. Non, c'est pas un jeu de course. Non, c'est un jeu de plateforme. Bah, celui-ci, il faudrait que je teste. J'ai pas testé encore. Voilà. Il faisait partie des derniers jeux qui étaient dans les colis. Je dis pas de bêtises. Hein. Muppet Monster Adventure. Si je dis pas de bêtises, voilà.
Formula One 2000, 5 sur 10. Alors il a pris une pole. Voilà. Bim. Sur PlayStation. Meilleur souvenir sur PS2, je sais pas, parce que j'ai quand même arrêté assez vite la PS2. Alors après, ça va être moche, mais si je dis Rez, c'était sympa, bah, on va me dire, c'est un jeu Dreamcast. Bah, oui, mais moi, je l'ai connu sur PS2. Alien Resurrection. Un jeu que je vous ferai un jour sur Twitch. Parce que ça fait plusieurs fois que je le recommence. Plusieurs fois que je vérifie si ça fonctionne bien. Et plusieurs fois que je kiffe le début, quoi. Il y a une ambiance dans ce jeu-là dès le début. J'adore l'ancien, mais celui-ci, avec une manette qui vibre dès le départ, vous n'avez rien, vous démarrez avec rien, et votre manette elle vibre, vous avez le cœur qui bat. Note d'intérêt 7 sur 10, technique, un moteur performant, des effets spéciaux réussis, esthétique, animation 16, ça y met 16, maniabilité 14, ouais, mais après ça passe quoi. Le plus, l'ambiance parfaite, c'est plutôt joli. Les moins, les points de save trop espacés, pas de reconfiguration manette. Eh ben oui, mais bon, c'est comme ça mon gars. Je te montrerai d'autres jeux où quand t'avances t'as pas de point de save, hein. Tomb Raider par exemple. Motor Racer World Tour 7 sur 10, qui avait eu aussi une bonne note dans le PlayStation Magazine. Et typiquement j'ai une espèce de, je sais pas si c'est une bonne idée, vous me direz à la limite. Salut Antoine, vous me direz si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. J'aimerais faire par exemple la retranscription en vidéo d'articles. Le Alien Isolation est un must-have aussi. Ah oui, je l'ai, mais c'est vrai que je n'ai pas encore fait. Donc, je me dis, Dragon Quest 8 Cult, je suis un très grand fan de Akira Toriyama et des RPG. Ah, avec moi, les RPG, malheureusement, je suis moins performant. Voilà, on va dire, un petit peu plus compliqué. Jamais lâché ma PS2, ma PS1, ma PS3 aussi. Il faut que je la redémarre. Ah, ce qui était cool avec la PS3, c'est que on l'a pas vu, c'est que le online était gratuit. Voilà. Donc Motor Racer World Tour, je disais, il y a un article dans le PlayStation Magazine et je me posais la question. Je me disais, est-ce que ça serait une bonne idée, par exemple, de faire la transcription en vidéo d'articles, c'est-à-dire de prendre le texte et de le lire et de montrer des images du jeu en même temps. Donc un test un peu réactualisé. Je sais pas si ça serait une bonne idée ou avec mes petites annotations, mes petites choses, mais je sais pas si ça serait une bonne idée. Bon bref, Motor Racer World Tour. Là j'ai un Capcom versus SNK Millennium Fight 2000. Moi j'étais complètement largué, hein. Je pense qu'il y en a qui étaient complètement fans de ces trucs-là. Donc ça c'est sûr. Ils nous mettent quoi? Linkable Neo Geo Pocket. Et sorti Japon. Mais c'est sur Dreamcast, d'accord. Bah oui, mais bon. C'est compliqué quand t'as goûté à des jeux des versus fighting en 3D puis qu'on te ressort de la 2D. Ça c'est pareil, c'est le côté. Alors sur Dreamcast c'est super beau et tout. Et bah, Dragon Quest 7 sur PS1. Sur PS1. Bah oui, forcément sur PS1 puisque je l'ai aussi en Japon, je l'avais gardé. Dispo en Europe, jamais. Tu m'étonnes, éditeur Enix, RPG pur et dur. Nombre de joueurs, 1, sauvegarde web, 1 bloc. Ça prend pas trop de place. Difficulté, niveau de difficulté, aucun. Difficulté, difficile. Il y a des petits problèmes dans leur truc. Quoi. Spécial, bien plus beau sur PS2. Eh bah oui. Mais je disais par exemple, sur la Dreamcast, dans la vidéo avec Régis Panterin, qui est l'auteur du livre L'histoire de Sega, le problème de la Dreamcast, c'est que les jeux qui ont été développés dessus, et puis le but c'était de faire de la conversion rapide des jeux d'arcade sur console. Sauf que encore une fois, Sega s'est planté, et alors oui, ils ont sorti, les jeux sont super quand on regarde aujourd'hui, quand on n'a pas le temps de jouer. Un petit jeu rétro, qui a envie de jouer à un jeu qui prend 100 heures, 120 heures sur une console rétro aujourd'hui? De s'en sait vraiment, qui? Quelques-uns, évidemment. Peut-être vous qui regardez la vidéo. Mais il y en a beaucoup, c'était... On veut passer plus de temps à l'époque sur console, avec du Final Fantasy VII, avec du Metal Gear Solid, avec des jeux d'aventure. Alors que les jeux d'arcade, je ne veux pas dire plus personne en voulait, mais c'était passé de mode, on voulait y jouer plus longtemps. Donc, bah oui, toi, allô Japon, mais maintenant. Mais si on resitue en 2000, eh ben, les jeux d'arcade... ça a attiré moins de monde. Voilà, une petite preview du... Voilà, on a vu le test tout à l'heure. Preview de Mario Tennis. Bon, je continue, j'avance. Hein. Allez. Parce que, on est pas mal barré. J'ai encore tout ça à passer. Bon, je vais juste faire les façades. Le numéro 100 du Joypad. Je suis pas mécontent de l'avoir, celui-ci. Alors, on va feuilleter vite fait. Toka World Touring Car sur PS1. Une bonne note. 8 sur 10. Ça passait bien. Mais on était quand même en 2000. Hein. On est en septembre 2000.
Et les tests sont toujours sur de la PS1 et bien notés. Et bien notés, hein. Il n'y a pas de comparaison. D'ailleurs, je suis passé vite, mais octobre. Je reviens sur le numéro de novembre 2000. Normalement, on aurait dû voir de la PS2 à gogo. C'est pas le. Ou le lancement de la PS2, peut-être pas encore. Quake 3 Arena. Crash Bash. Un peu étonnant parce que du coup, la PS2 qui déboule. Silent Scope. Spen... Bon, je sais pas trop. Mais donc ça c'est ça, ça c'est ça, ça va là, et ça va là. Voilà. Numéro 100 de Joypad. Excellent. Voilà. Excellent, excellent. Donc là, il y a de la lecture à faire. Hein. Toutes les sorties japonaises et US. Là, on est dans les périodes où les magazines étaient énormes. 178 pages encore. C'est juste énorme avec des Solus. Numéro 100, numéro 99 en juillet 2000. Voilà. Metal Gear Solid 2, les images inédites. Tenchu 2, Dreamcast, le choc avec Virtua Tennis, 40 pages de test, sympa. Tom Clancy, Rainbow Six. Bon, je tourne assez vite, hein, parce que du coup, on va remonter. On a vu passer. Ah, Vibribon! Ça, c'était cool. Est-ce qu'ils ont dit un petit truc sur Vibribon et ils disent quoi? C'est Made in Europe. Vibribon, soucieux, un délire bien space. News, c'est dans les news alors. Prix sera commercialisé. Reste à savoir à quel prix sera commercialisé ce délire. Oui, forcément, bah, mais ça, ouais, c'était cool. Vibribon, j'avais aimé la démo, quoi, voilà, mais c'est sûr que j'aurais pas payé 450 balles un jeu comme ça, quoi. Revolt 2. Très bon jeu avec des petites voitures. Le nez qui se bouche. Allez, je continue. Regardez-moi ça. Zelda Majora's Mask. Ça vous donne pas envie d'ouvrir et de lire, là? Vous voyez ça? Sur N64, un pur bonheur sur N64. On est en juin 2000. Perfect Dark, on y a joué, les tests du mois, Vagrant Story sur PlayStation. Et on est, rappel, on est en juin 2000, hein. On est à la veille de la PS2. Et je vois Colin McRae Rally 2. Bah moi j'avais kiffé hein, ce jeu-là, Colin McRae Rally 2, incontournable. Ouais, Space Invaders, ça les culte la couverture, on est d'accord. Hein. Pour contrer la PS1, la Saturne. Ah oui, mais c'est aussi la cause de la Saturne, Sega aurait dû tout miser sur la Dreamcast. Ben, ils ont tout misé sur la Dreamcast. Parce que la Saturn ne se vendait plus, donc ils ont dit on arrête. Ben, ils ont tout misé. Et c'est pour ça que ça a été leur échec, parce qu'ils ont tout misé, mais mal misé. Donc, malheureusement, la Dreamcast est arrivée, tu pouvais la connecter à Internet, mais personne n'avait Internet. Ou ça coûtait une blinde, et c'était pas déployé. Donc, c'était un peu compliqué, quoi. Ou Play Power, ah, j'ai loupé Play Power. J'ai vu un magasin Score Games, mais énorme. J'ai encore les bouquins, des codes pour tous les jeux. Mais oui, même Score Games, il y en a. Je crois que j'en ai vu un à Paris. Non, au Japon, non. Bah si, oh, si, ça donne. Histoire 2, je veux dire. Histoire 2, tu vois, de se remettre dans le contexte d'époque. Regardez ça. Ah, ça rappelle les souvenirs. Duck Games, regardez ça. Duck Games. PlayStation 899. Vous vous rendez compte? 899 francs. À la fin, bon, c'est la fin de vie, mais. Je me rappelle encore que la PS1, on la voyait tous les 6 mois, le prix baissait. Et quand on compare avec la PS5, où on nous dit, vous savez quoi, on va augmenter de 50 balles, quoi. Duck Games, mais ouais, c'est mortel, quoi. Génial. C'est génial. Perfect Dark. Il disait, on y a joué. Alors, je sais pas où est le Majora's Mask. Majora's Mask. Evil Twin Cyprian's Chronicles. J'ai vu plusieurs fois ce petit jeu-là. Arcaterra, The Dark Brotherhood. Je n'ai pas du tout. Sorti sur Dreamcast. Alors après, c'est compliqué parce que les trucs qui étaient annoncés sur Dreamcast, encore une fois, Sega savait que la Dreamcast allait s'arrêter. Ils l'ont su, ils ont dit, ils le savaient un an avant. Mais pas le droit de rien dire, quoi. Et très compliqué hein, pour ceux qui développaient des jeux. Tekken Tag. Allez, on est en mai 2000, attention, la PS2 arrive. Vas-y, mets-nous de la PS2. Toutes les sorties japonaises et américaines. Dead or Alive 2. Voilà, on l'a vu le test tout à l'heure. On remonte le temps. On remonte le temps. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, de la N-Gage. C'est ça, c'est de la N-Gage, non? C'est quoi? Game Boy Color. Non. News Game Boy Color. Eh, sympa. Hein. Astérix sur les traces d'Idéfix. Alors, la Game Boy Color. Je suis moins fan. C'est la Game Boy Advance qui est l'équivalent de la Super NES en portable. Hein, je crois que c'est ça. Je dis pas de bêtises. Street Fighter EX2 Plus. Speedball 2100. Celui-ci, je le connais, mais j'ai pas réussi à le prendre en main comme il faut. Il paraît que c'est pas mal. C'est pas mal sur PS1. Voilà. Même les cartouches de Super NES coûtaient 500 francs à l'époque. Ah ouais, non, mais c'était hors de prix. Hein.
Surtout que la Model 3 a encore moins de matos dedans, PS5. Après, je sais pas. Ouais. Oui, mais après, si au niveau fiabilité ça fonctionne, c'est pas trop grave, hein. La première PS1 et puis la suivante, on s'en foutait de savoir ce qu'il y avait dedans. Et pourtant, il y avait déjà des composants. Il y avait, allez, 30% 30% de composants en moins. Donc, Nightmare Creatures 2, c'est très bien ce jeu-là, c'est tout moche. Mais par contre, l'ambiance, c'est le Bloodborne de la PS1, j'appelle ça. Verali 2, vous pouvez tester. Ah ben voilà, forcément sur Dreamcast. Ils le mettent pas sur PS1. Mais testez-le, pour moi, il a gardé un bon gameplay. Il s'en sort très très bien, il s'en sort très très bien. Voilà. Bon, j'ai vu passer Banjo-Tooie. Allez, on remonte. Avril 2000. PlayStation 2, Xbox, Microsoft attaque Sony, la contre-attaque de la Xbox. Voilà, sympa, sympa cette petite couve. On est en avril 2000, donc il doit y avoir des petites coquilles, je suis sûr, à trouver. Resident Evil 3, le verdict. On est en mars 2000, ISS Pro Evolution. J'accélère un petit peu parce que je voudrais vous montrer d'autres numéros avant. La Dreamcast se rebiffe. Dreamcast, PS2, là on a quand même la bonne actu. Vagrant Story. Sorti au Japon. Alors ça, c'est les sorties, mais les tests. Qu'est-ce qu'on a en test? Castlevania Legacy of Darkness. Ouh, sur N64. Castlevania Legacy of Darkness devait s'appeler Castlevania Special Edition. Et pour cause, ce titre reprend de très nombreux éléments de Castlevania 64 original. Le même moteur 3D, de nombreux niveaux, la plupart des armes et monstres. À vrai dire, on ne peut guère conseiller ce titre qu'à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'essayer à l'épisode premier, les autres seront déçus, ou alors il faut être un grand fan. Eh oui, voilà, Castlevania Legacy of Darkness. Pas trop mon. À mon avis, c'est encore. Si c'est Castlevania, ouh, c'est cher! Ouh, c'est cher! 9 sur 10, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est Code Veronica. Alors, je reviens, voilà. Biohazard, Code Veronica, alors sortie Jap. Et du coup, ils font un pré-test, si vous voulez. Contrairement aux environnements urbains très froids qui caractérisaient les derniers épisodes PlayStation, Code Veronica propose des thèmes graphiques beaucoup plus chauds. C'est marrant, c'est un espèce de pré-test parce qu'il y a une note, j'ai pas rêvé. 9 sur 10, oui, 9 sur 10, pourtant c'est la version import, quoi. Enfin, allez. Après ce numéro de mars 2000, février, oui, il y a toute la série Code Veronica, Resident Evil Code Veronica au banc d'essai sur Dreamcast. Eh oui, parce qu'à la base, il devait sortir que sur Dreamcast. Moi, j'y ai joué, mais sur PS2, encore une fois. Gran Turismo 2, pari réussi pour Sony. Shenmue 2. Ça, c'est du Eagle One Arrière Attack sur PS1. J'en avais déjà parlé. Très bien ce jeu. Note d'intérêt, 7 sur 10. Pour aller plus loin, Eagle One a été développé par Glass Ghost. Parmi les membres de l'équipe, on trouve un habitué de la simulation de vol sur PC, Neil Sohan, qui a travaillé durant 7 ans pour Mindscape. Il a produit, entre autres, les fameux Team Apache et Flanker. Inconnu sur console, mais du coup, c'est cool d'avoir des gens qui maîtrisent leur sujet bah, sur console. Plus réaliste qu'Ace Combat 3. Et oui, c'est bah oui, Ace Combat 3, c'est quand même un peu plus fou, quoi. J'y passerai des heures à relire tout ça, mais grave, laisse tomber, quoi. C'est des petites petites, regardez-moi ça, Crazy Taxi, quoi. N64, c'est quoi cette console? Le truc qui fait du cubique là. Ah bah après, je peux rien dire, hein, parce que quand je parle de la PS1, si derrière. Je me mets à critiquer la N64, je vais me faire tacler. Hein. Surtout Cyril, garde-les précieusement ces bouquins. Mais oui, ça c'est des bouquins que je viens d'acheter. Hein, donc ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que je m'étais dit, on partage un petit peu. Mais ça va être très tendu de tout vous présenter. Du coup, je vais rien que le délire, les commentaires de JM Destroy ou AHL. Mais grave, grave, grave. Donc Joypad. Donc ça, on est passé sur du 2000. Je vous montre vite fait juste les couves. Allez, on va remonter plus vite. La version. Donc là, en décembre 99. Tomb Raider 4, verdict final, parce que je crois que ça s'appelle la révélation finale, petit jeu de mots. Sega GT sur Dreamcast. Medal of Honor sur PlayStation, Spielberg nous étonne. Voilà, génial, tomber sur un test de. C'est un rétro-test, vous imaginez? Comme j'ai pu y jouer, je sais pas si c'est dans les tests. Je vais dire que Earthworm Jim 3D. Aïe, 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 aïe. Il n'avait pas pris une si mauvaise note, Earthworm Jim 3D, mais il a pris 7 sur 10. C'est pas si mauvais, on pourrait s'attendre à genre un 3 sur 10 ou un truc comme ça. Mais bon, le passage à la 3D, je suis pas moins convaincu, quoi. La Mer Zone sur PlayStation, 7 sur 10, voilà. C'est un peu difficile, hein, forcément, les notes. Roadsters, allez, je continue. Joypad, numéro 91 de novembre 99. Et là, on a du.
du Tomb Raider 4, Donkey Kong 64, et là sur les consoles disponibles, c'est Dreamcast, N64, PlayStation et PlayStation 2, et arcade et Game Boy. Voilà, ils traitent de tout ça. Parce que oui, on est en novembre 99, la PS2 n'est pas encore disponible chez nous. Regardez-moi ce gros gun qu'on prend en pleine tête. Spécial PlayStation 2, le numéro, pardon, supplément gratuit à Joypad 90. Voilà, les magazines, le magazine des consoles. Alors Dreamcast, N64, PlayStation, Arcade, GB. Enfin, Game Boy. Voilà. Biohazard 3. Effectivement, ça va être carrément classe de retomber sur des tests Game Boy de l'époque. Je suis sûr qu'il y a des choses à découvrir. Toy Commander, c'est le jeu de Frédéric Reynal sur Dreamcast, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'était pas mauvais du tout. Et il me semble qu'ensuite, ils avaient développé un jeu d'horreur, mais qui n'a pas pu sortir. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Il y a une démo disponible parce qu'ils avaient fait la démo pour tous les employés. Parce que c'était à la fin de la vie de la Dreamcast, quoi. Tonic Trouble, très bon petit jeu de plateforme avec le moteur 3D de Rayman 2, on va dire. Puisque c'est lui qui a servi de prototype à Rayman 2, voilà, par exemple. Allez, on continue. Joypad numéro 89 de septembre 99. Parce qu'après, on va les manger. C'est l'heure. On avance dans les années déjà. Et oui, là je remonte, voilà, je remonte, j'accélère un petit peu. Mais toujours, alors, je vois 99, le nouveau Zelda 64 est arrivé, Soul River. Et pourquoi il y a un dino? Bah, Dino Crisis, l'autre façon de se faire peur. Excellent, parce que même si on se remémore, enfin la tête du dino qui était dans la démo One, qui au début montrait aux journalistes, il montrait que la démo, la tête en démo, et ensuite c'est tout le dino qui a été animé, le même que celui qu'on avait dans la console. De le remontrer comme ça, je pense que c'est assez fort. Et c'est pareil, hein. On a un magazine, il y a de la lecture. Hein. Où est-ce que je vais vous montrer ça? Regardez-moi la taille du truc. L'épaisseur, on doit être sur 200 pages. Je ne sais pas combien de pages, 174. Ah, il y avait une limite à 178. Hein. Une rentrée en fanfare, les accessoires, volants, des choses comme ça. Franchement, c'est classe, quoi. Des petites pubs, forcément. Des Solus. Des Solus pour Top Gear Rally sur Game Boy Color, sur toutes les consoles. Je ne sais pas si les codes sont tous accessibles. C'est une question que je me pose. Tous les codes qu'on trouve comme ça dans les magazines, si aujourd'hui ils sont vraiment tous accessibles sur le net, je me pose la question. Des fois on retrouve des trucs qui sont valables mais que pour les jeux US. Ou des fois ça fonctionne pas, ou les jeux Jap. Soul River. Legacy of Kain Soul River. Il y a le nombre de pages, quoi. Le test, il est ultra complet, quoi. C'est une PlayStation? Sûr? Ah oui! Ah oui, parce que le jeu est sorti ensuite aussi sur Dreamcast, si je dis pas de bêtises. Une réalisation hors du commun au service d'un gameplay ultra riche. C'est super classe, quoi. Toujours le petit supplément. Tous les Resident Evil. C'est sympa, hein, pour ceux qui sont fans de la licence. Je trouve que le supplément, il envoie du lourd, hein. Et donc, un supplément qui parle de Resident Evil. J'allais dire parce que là, on a une image de Silent Hill. Parce que là, Final Fantasy IX, c'est pas ça. Fear Factor, Anna, Mio, Clara, j'ai des doutes. Verali 2, c'est pas ça. Et Silent Hill sur PlayStation, il est en bas, il est là, voilà. Donc je passe un test, une preview. On est en juillet-août 99. Alors juillet-août, souvent c'est le numéro un peu, enfin toujours épais, hein, mais c'est le numéro que j'aimais bien feuilleter. Waouh, là 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 là. Celui-là, je l'avais pas vu. Joypad, allez, numéro 87 de juin 99. Le dernier hit Nintendo 64, Donkey Kong 64 et Perfect Dark, et Wipeout 3, sensation haute résolution. Excellent. E3, Dreamcast, N64, PlayStation, tous les jeux de l'an 2000. Voilà. Génial. Bah, Legacy of Kain, c'est énorme, quoi. Les codes, ils disparaissent? Je sais pas. J'en ai reçu combien? Il y en a, je sais pas combien il y en a. Il y en a un paquet. Il y a 20 kilos. Il y a 20 kilos de magazines, voilà. Donc, j'ai pas relevé le. Voilà. Salut Holder Games! Petit apéro lecture. Ouais, voilà. Alors, ça va bientôt se finir parce qu'il est 19h19 et on va essayer de finir vers 19h30. Ça va sûrement déborder un peu, mais voilà. L'idée, c'était de démarrer à 18h, faire un petit passage en revue. Alors, je peux pas tout m'attarder. Je me suis attardé un peu trop au début. J'aurais mieux fait d'accélérer un peu. Et au début, et puis passer en revue un peu plus les magazines d'après. Parce que là, on remonte. Oh la vache! Ouais, je m'arrête là. Regardez, c'est incroyable tous ces magazines. Dès qu'on s'arrête, on trouve un truc. Vous la voyez, la Dreamcast violette, là? Le 7 avril. Alors, les infos chaudes du net. Le 7 avril, la société Nippon Paint
va sortir une série limitée de Dreamcast de couleur noire. Cette pièce de collection sera commercialisée à partir du 16 avril pour 39 000 yens, soit 10 000 yens, 500 francs, de plus que le prix normal. Voilà. Donc ils disent qu'elle est noire, mais alors ça, il faudrait que je demande à Sega Anthology, la page Facebook, Sega Anthology ou le compte Twitter. Il publie régulièrement des petites choses. C'est un grand fan de la Dreamcast. Il a beaucoup de très belles pièces. Donc très très sympa. Voilà. Il a une belle collection. Voilà, vous l'avez peut-être vu dans le. Bah, il y a une vidéo sur ma chaîne. Voilà, vous pouvez aller voir. Une collection Dreamcast juste de ouf. La fameuse Masura, vous savez, la Dreamcast verte qui est dans une des vidéos avec Benzaï Hard Looters. Eh ben, je l'ai eu entre les mains. Elle n'est pas dans le musée. Voilà, pour donner une petite idée. Motion Gun, Left Hand. Le Motion Gun inventé par Gabriel Gary permettrait de se déplacer en trois dimensions dans n'importe quel shoot 3D. Oh, ça doit être Space. Christophe Lambert, concours Beowulf. Omega Boost. Bon, allez, on avance. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Putain. Autant, j'avais. C'est pareil, hein, j'ai revendu mes Lucasfilm Magazine. J'étais abonné, j'en ai revendu pas mal sur. C'est quoi sur. À l'époque, ça s'appelait Price Minister. J'en ai gardé quelques-uns. Voilà, mais là. Découvrir en exclu Star Wars épisode 1, la menace fantôme, avant le film, les jeux. Voilà. Et ce qui était cool par contre là, c'est que les jeux Star Wars, la menace fantôme, ça reprend bien les musiques du film. Le guide PlayStation 2, contrairement à des jeux Astérix et Obélix, qui par exemple reprenaient pas les musiques des films, ou voilà, bon, ça reprenait. Voilà, ça, c'était pas. Il y a plein de choses comme ça hein, qui étaient assez différentes. Vers Ali 2, un pari vraiment réussi. Bah, faudra que j'aille lire le test, mais pour moi, oui. On est en avril 99. Voilà. Et c'est rigolo, hein, parce que du coup, on suit comme ça le. Je vois en test, excusez-moi, je reviens. En test. Silent Hill, plus glauque, tu meurs. Voilà. Mais j'aime bien revenir un peu sur certaines actus de l'époque, des trucs que j'ai pu rater. Vers Ali 2, pour moi, je suis passé complètement à côté. J'avais bien aimé Vers Ali, mais bon, c'était. C'était particulier quoi. C'était un peu trop rigide quoi. Tu pourrais nous faire une autre session mag. Oui, c'est vrai, je pourrais en faire une autre. Mais je sais pas si j'arrête là. Sinon on s'arrête là. Enfin, on s'arrête là. Je finis les joypads et on refera une session. Parce que du coup, joypad, je sais pas jusqu'où ça va. Sinon, salut Sullivan. Christophe Lambert dans Vercingétorix Scaldog. La GameCube Famicom. Une belle collection de. Non mais c'est clair. C'est clair que là, je vais plus savoir où donner de la tête, quoi. Et Vers Ali 2, excellent. Merci Roro. Exactement. Vers Ali 2. Moi j'ai kiffé. Je l'ai testé comme ça au pif. Pareil, une petite vidéo test d'une demi-heure sur ma chaîne secondaire. Cyril PSA. Et franchement, ça claque. J'étais très surpris. Il en a encore sous le capot. Hein. Donc là, bah forcément, Gran Turismo 2 qui débarque. Sega Rally 2. Vers Ali 2. Voilà, c'est le petit comparatif. Ah, voilà, forcément, un grand classique. Metal Gear Solid, la démo jouable, les secrets de création. Alors, la démo jouable, tiens, c'est marrant ça. Donc, il y avait un CD avec le. Il y avait un CD avec? Avec des déchets. Recherche génie désespérément. Ouais, sympa, bien. Ça me met le doute. Parce que je sais que j'ai eu des démos. Est-ce qu'ils vont nous mettre Metal Gear Solid? Vous ne rêvez pas, Joypad vous propose en exclusivité la démo jouable du soft le plus attendu de ce début d'année 99. Si vous voulez vous éclater en février, c'est dans Joypad que ça se passe et nulle part ailleurs. Pour plus de détails sur cette démo, reportez-vous à la page 18. Reportons-nous à la page 18. Le mini-guide du parfait espion. Le système radar. Soliton. Ok. Commande de jeu. L'entrepôt du lagon. Eh ben ouais, du coup, il devait y avoir un CD avec. Alors par contre, si c'est une démo de Metal Gear Solid, je dois l'avoir. J'en ai quelques-unes des démos qui traînent. Mais genre, quelques-unes, pourquoi? Joypad spécial Dreamcast. Ah bah eux, ils y croyaient. Hein. Le supplément de Joypad 82. Donc c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Ne peut être vendu séparément. Spécial Dreamcast. Pareil, hein. Sympa. Sympa à parcourir. Mais quand on voit, c'est. Psychic Force, alors c'est 2012. Il y a Psychic Force qui est sur PS1. Il faudrait que je compare. Il faudrait que je compare, hein, mais il y a plein, 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 plein de choses. Quelqu'un qui est mordu de Blue Stinger, très bien aussi ça.
un mordu de magazines comme ça, qui en a vraiment beaucoup et qui voulait retranscrire en vidéo et en magazine, eh bien c'est Gunnet TV. Gunnet TV, c'est un dingue de magazine. Verli 2, Colin McRae, Harley 2, c'est exactement ça, Jean, fallait choisir. Voilà. On est d'accord, Yannick, il y a tellement à dire, c'est assez fou. Mais c'est clair que moi j'avais fait le choix de Colin McRae, Harley 2, parce que je pense que. Du coup, après Verali, j'étais passé à. Comment ça s'appelle? Après Verali, j'étais passé à Colin McRae. Et quand on sent la sauce Colin McRae arriver, ça prend, ça, tu le prends en pleine poire quand même. Et donc, quand on t'annonce un Colin McRae Rally 2, tu fais ouais. Je vais attendre un peu, voilà. Tu te dis, bon, si Verali 2, c'est un peu la même sauce que Verali, Ridge Racer Type 4. Voilà, des modes de jeu et des circuits en nombre insuffisant. Ouais, mais on y jouait quand même, quoi. C'est marrant parce que j'ai jamais loupé un seul épisode de Ridge Racer, mais à chaque nouvel épisode, c'était. Ouais, je préférais le 1. Toi, c'était. Ma, You, Monogatari. Voilà, sur PS1. Je connais le nom, ça me dit quelque chose. Beau, poétique, mais répétitif. Ou ça, c'est. Ça, c'est. Ça a changé de nom en arrivant chez nous. Ça, c'est Jade Cocoon. À voir les graphismes, pour moi. Il n'y a pas de. Du coup, ce n'était pas encore le cas d'être traduit. Mais pour moi, Popologue, mais ça, Tamama, Tamama, You, Monogatari, ça, c'est clair que c'est. J'ai rien que le décor, je suis sûr que je le reconnais. Ouais, c'est. Sûr et certain. Pas marqué, mais sûr et certain. Voilà, on était en janvier 99. Alors, dernière petite parenthèse, allez. Oh. Parenthèse. Là, on est. Je vous avais promis du 96. On y est déjà. Décembre 98. Je suis trompé. Janvier 98. L'iPad. Et lui, c'est du 96. Allez. Ouais. Allez. On y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. On y va. Soyons fous. T3 Racing qui a eu le droit à sa une de magazine Joypad. Vous le croyez, ça? Tu me vends du rêve. Ridge Racer Type 4. Je l'ai poncé avec le frangin. Mais oui. Ah, Jade Cocoon, on est d'accord. Hein. Salut Anis! Bah écoute, ça va bien, tu vois, je feuillette les magazines et j'en prends plein les mirettes, j'adore, je kiffe quoi, voilà. Fabrice de Recalbox propose des lectures aussi une fois par semaine. Oui, exact, 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 et c'est bien cool. J'ai pas le temps d'assister aux choses comme ça, mais c'est cool parce que en même temps, en plus, en même temps, ce qu'il propose, c'est de s'arrêter sur. Alors, il fait un seul, un, deux, trois magazines, je sais pas. Comme il a une config qui est branchée sur Recalbox, et ben il vous lance certains jeux qui sont en lien, en rapport un peu avec le live qu'il fait. Allez, hop, je mets ça un peu à côté. Voilà. Cinéma Chicha, Final Fantasy, le film, premières images. On est en décembre 98, vous imaginez? Joypad. Mais quand je dis C3 Racing a eu droit à sa une de magazine, c'est pas rien, hein, parce que si vous avez déjà joué à C3, c'est un petit peu comme si vous aviez joué à Verali et qu'on vous vendait du Sega Rally. Hein. Ça fait un peu la douche froide, hein, voilà. J'ai adoré Verali, hein, c'était le triple A de l'époque. Mais là, quand même, voilà. Nouveau Joypad Dreamcast, le premier mag 100% Dreamcast. Ben, là, on a de la Dreamcast N64, PlayStation et Arcade. Vous voyez, la Game Boy, elle n'y est pas. Ben, PlayStation 2, on n'en parle pas encore. On est en 98. Voilà. Noël à 4 euros, Sega Rally 2, Verali 99 sur N64, Toga 2 sur PlayStation et C3 Racing sur PlayStation. Alors, je ne sais pas comment les unes de magazines sont négociées. Ah, pardon. Mais c'est assez particulier. Ah, bah voilà le petit supplément Dreamcast, le premier mag 100% Dreamcast, voilà, qui a été ajouté en supplément. Je continue, je continue. Alors là, je me bagarre un peu avec tout ça. Joypad, Dreamcast, plus de 300 jeux. Zelda 64, ce que vous ne saviez pas, plus de 300 jeux. Quoi, Dreamcast, plus de 300 jeux. Boostinger, ouais, ils annonçaient du lourd quand même. Hein. Mais après, vous voyez, la une avec Zelda. Et moi, je suis pas Zelda. Je suis pas Zelda. Pas Zelda, je me suis arrêté au premier sur NES. Hein, alors, donc d'avoir un test qui pourrait m'expliquer un petit peu pourquoi le jeu il est bien, pourquoi le jeu il est pas bien, c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est pas bien. Ben moi je trouve ça cool quoi. Colony Wars Vengeance, ça c'est pareil, j'avais adoré la démo. Je crois que j'avais jamais acheté le jeu. Voilà, 8 sur 10. Voilà, je vous montre un petit peu. Il y a beaucoup d'images. C'est un peu moins fouillis que on va dire que ce qu'il y avait en 92. Forcément, c'est un peu plus moderne, mais ça part un peu en tous les sens. Si vous cherchez de la lecture, il n'y a pas trop. Hein. Vous voulez vraiment un test sur le jeu? Je veux dire, vous avez ça à lire?
Après, c'est des petites annotations. Quelques annotations par-ci, par-là. Mais en termes de lecture, c'est pas ouf. Hein. C'est pas trop. Voilà. Ça passait assez vite. ODT. Voilà. Par exemple, quatre façons d'aborder ODT. Bah, moi, je sais que j'ai dû l'aborder d'une façon qui n'était pas terrible. Parce que j'arrivais pas à passer le premier niveau. Mais avec la voix de Kevin Costner dedans, ça marche très bien. Visuellement, c'est pas désagréable. Il y a un truc où vous êtes un peu dans un donjon. On descend. Il y a des énigmes à résoudre. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un donjon. Mais bon. Ah, regardez, c'est beau ça. Resident Evil Dreamcast Blue Stinger. Le Resident Evil de Dreamcast. Resident Evil Dreamcast. Metal Gear Solid, dissection du jeu de l'année. Abe, le premier héros militant. Ils l'ont mis à toutes les sauces, le pauvre Abe. C'est une image que j'avais jamais vue, hein, celle-là. Ça me dit rien du tout. Mais je trouve ça. Future Cop, la démo jouable. Ah, sur le CD. Donc, il y avait un CD avec. Je sais pas s'il y avait un CD à chaque fois. Mais la démo de Future Cop LAPD, je dois l'avoir aussi. Faudrait que je revérifie si je peux pas trouver une image, genre le mag complet. Parce que je suis pas sûr s'ils mettaient ça dans des pochettes, des boîtes. Faudrait que j'essaie de les reconstituer, ça pourrait être rigolo. Sur le CD, Heart of Darkness, la démo jouable. Voilà, les premiers jeux Dreamcast. Hybrid Heaven, le Metal Gear de la N64. Jamais entendu parler de ce jeu-là. 56 tests record! Appelez le Guinness! Excellent. J'ai un peu de retard sur le chat, je reviens, je reviens. J'ai fait des recherches récentes dessus sur. Ah, sur le Ridge Racer. Ouais, 96, ça pique. Ah, mais ça dépend des jeux. Hein. Anecdote sur V-Rally 2, c'était le sponsor principal du rallye de Monte Carlo. Oh, yes! Comme il y avait la photo de la Peugeot 206 sur la jaquette, bien les autres concurrents, sous etc., avaient râlé. Ben oui, cela faisait tâche d'avoir la photo du concurrent sur la carrosserie. Ah, oh, mortel. Ah ouais, fallait, dommage. Dernière ligne droite et après c'est l'apéro du vendredi soir. Ouais, grave, grave, grave. Qu'est-ce que je regrette d'avoir bazardé mes magazines il y a quelques années? Ah, c'est. Bah, on peut pas tout faire. Chaque mois, par exemple, j'ai gardé mes PlayStation Magazine, les 1 et les 2. Et je me suis débarrassé des démos qui étaient en grosse boîte. Oh là là, à chaque cover, enfin, chaque une, je craque, quoi. Je me suis débarrassé des démos qui étaient sur PS2. Et qui était en boîtier DVD, ça prenait trop de place, quoi. Je les ai jetés. Je sais même pas si j'avais gardé les disques, je suis pas sûr, quoi. Voilà. Mais regardez-moi ça, X-Files. Moi, je vois ça direct. Attendez, je vous laisse, je vais lire, je reviens. Voilà. Toutes les sorties japonaises et US. Rien que pour aller lire le, bah, l'article sur, comment dire, sur X-Files, de voir ce qu'ils ont à nous raconter. Forsaken 64. Oh, c'était déjà chaud sur PS1, mais sur N64, je sais pas. Après, la N64, c'est pas mauvais, mais c'est juste que moi, ça me donnait l'impression de jouer à un jeu PC sous 3DFX, Voodoo 3DFX. Du coup, quand t'as un PC à côté, tu fais, bah, c'est pas. Quand t'as des exclus PS1 auxquels tu peux pas jouer sur PC, c'est réglé. Mais quand t'as un jeu sur N64 qui. Bah, je sais pas. J'ai pas eu le mordant avec la N64. J'ai un copain qui l'avait acheté, donc j'ai joué dessus. On s'est fait des bourres dessus, mais avec GoldenEye, pas de soucis. Hein. Mais encore, voilà, une exclue. Bon, voilà. Bon, là, ça me parle un peu le moins. Sur le CD, Forsaken, la démo job. Ah, faudra vraiment que j'aille chercher Resident Evil 2. Les jaunes, ça tape. Hein. Ça tape, ça tape, ça tape. On est en février 98. Allez, Gran Turismo, l'ultime simulation PlayStation. Ça, c'est cool aussi parce que des fois, il y a des pubs. Marqué sorti le. Et des fois, il y a des dates, c'est intéressant de retrouver des petites choses sur les dates de sortie exactes qui parfois sont pas fort fins. C'est pas toujours bon sur. Ça m'est arrivé sur Wikipédia. Des fois, des petites coquilles. Voilà. Mais du coup, après, c'est rigolo de retomber sur les jeux. Saturne, allez. Qu'est-ce qu'il y aurait qui serait un peu compliqué à trouver sur Saturn? Il y a beaucoup de jeux Jap. Après, on voit plus rien. C'est du blanc. Blanc dans le blanc, on peut rien lire. Hein. Laissez tomber. Donc, jeu N64. 495 francs. Top Gear Rally. Oh la vache. Exen, 469. Bon, ça va encore. Il y a de quoi jouer. Doom 64, 449 francs. On est en francs. Hein. On est en francs. On est en francs. On est en francs. On est en francs, la vache. Elemental Gearbolt. Oh bah d'accord, bon bah là, Gran Turismo, bim, là tu le prends. Je pense que tu le prends dans les dents hein, quand il arrive comme ça, les replays. Oh mon dieu, 25 images par seconde, stop, des replays à tomber par terre, stop, des effets de lumière de folie, stop, oui, parce que forcément c'est quelqu'un qui est au Japon, Yoshi's The Story. Alors du coup, c'est comme s'il envoyait un télégramme, ça fait rigolo. Voilà, regardez, Joypad, allez, N64, PlayStation, Saturn et Arcade, on parle pas de la Dreamcast là.
Et là, Saturne. Donc c'est pareil. Voilà, avoir des jeux dont on parle sur Saturne, c'est cool, quoi. C'est cool. Voilà. Scud Race. Oh, qu'est-ce que c'était bon, ça, Scud Race. Ça envoyait du lourd aussi. Sur Saturne 2 ou Katana. Il faut que je vous le montre. Hein. C'était annoncé sur Saturne 2, le projet Katana de chez Sega. Sûr qu'à un endroit, on doit trouver la Black Belt aussi. Hein. Voilà. Bon, je continue. Allez, numéro 52. 32 francs. Là, on est en avril 96. On a fait un bond. Voilà, je vous montrais de janvier 90. C'est le dernier numéro de Joypad hein, que j'ai. Là, pour l'instant, il y a du Joypad, du Console Plus et du Player One. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et je referai une autre session spéciale Console Plus et Player One. Je vais vous montrer juste vite fait. Et les prochains magazines sur lesquels je vais m'attarder, je pense que ce sera j'ai dit Play Mag. Je crois que c'est Play Mag. Je crois que c'est Play Mag le. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit n'importe quoi. Play Mag. Je crois que c'est les magazines qui. Ouais, c'est Play Mag. Ça va être Play Mag, les prochains que je vais essayer de vider. Là, c'était l'occasion. Mais ça fait un moment que ça me travaille. Je me dis, j'aimerais bien me choper un petit truc. Donc. Colony Wars Vengeance, faut que je le teste. Mais c'était cool, j'avais bien aimé la démo. C'était du Psygnosis. C'était dans la même veine que. Enfin. Même jouabilité, j'ai presque envie de dire. Pas la même échelle, mais le même délire que G-Police. Pour moi, ça venait de chez Psygnosis. Les graphismes, voilà. Puis la finition. On savait qu'on n'aurait pas un mauvais jeu. Il y avait de quoi faire des missions. Voilà. C'est peut-être un peu répétitif au bout d'un moment. Je sais pas. Voilà. Faudrait relancer pour voir. Voilà. Je vous laisse, je file au handball. A plus tard. Merci, Roro. Bonne soirée. Et bon match. Ape, ça donne envie d'ouvrir ça. Mais voilà, grave. C'est obligé, quoi. ODT, j'y ai joué il n'y a pas longtemps, ça a mal vieilli, je trouve. Je l'avais fini à l'époque, ouais. On est d'accord, c'est. Voilà, faut se remettre un peu dedans. Faut se remettre un petit peu dedans. Voilà. Voilà, Lara, on la voyait bien, Lara. On la voyait bien. Merci Roro. Voilà, bah bon match alors. Hein. Je reviens un petit peu. Il y a plein de commentaires, hein, vous pouvez plein. Vous laissez bonne compagnie. Merci Damien. Voilà, de toute façon, je vais m'arrêter, je termine. Je terminais avec ce numéro d'avril 96. Bon, bah, je parie qu'il y a encore un. C'est quoi, c'est un supplément? C'est à détacher. Ah, c'est possible, c'est à détacher. Il y est deux fois. Il y a un petit bout de détaché. À voir, il y est deux fois. Je sais pas. Un Joypad international, partez à l'aventure. Final Fantasy VII. Ouh! Pour les têtes. Donc on feuillette un petit peu vite fait. Ah bah voilà, la pub pour du PlayStation Magazine. Et là, on est sur le. Numéro 2. Numéro 2 PlayStation Magazine disponible dès le 23 février. C'est le numéro 2 parce qu'il y a avec le disque 1. Voilà. Ils le disent pas, mais le premier, c'était pas cette cover. Il y a juste une pub. Non, c'est tout, il y a juste une pub. Les films. Les tests. Ah, c'est bon. Alien Trilogy. On aime ça. Ce focus. Non, il n'est pas là. Ce focus sur Alien Trilogy sur PlayStation. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Voilà, bon, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça fait de la bonne lecture en perspective. Mince, le repas est prêt. À bientôt, les amis. Ça marche, Holder Games. T'inquiète. Pas de soucis. Je pense que je vais. De toute façon, je vais couper là. Je vais juste vous montrer les deux piles qui me restent à vous présenter. J'ai le repas à faire. Ça marche. On se retrouve vers minuit. Cyril sera toujours en train de lire. Salut, Ray du Plombier. Oui, c'est un petit peu la fin. Mais, voilà. Ça, c'était le console plus par lequel j'ai commandé. C'est. Je vous montre vite fait. Il y a une pile. Comme ça, de console plus, il va de. Alors là, ça va de. Je sais pas de bêtises. Je fais juste la petite parenthèse et après on va couper de juin 2006. Donc bah il y avait jusqu'à 92, jusqu'à. J'ai pas la date. J'ai pas. Si, septembre 96. Vous voyez, il y a un large éventail. Alors on fait des sauts de puce, hein. C'est voilà. Mais ça, je pense que donc je referai un autre live. Je suis désolé. On va garder ça pour un autre live. Et là, on a du Player One de mars 99, voilà, numéro 95 de mars 99 à avril 96. De toute façon, déjà, quand on voit Dragon Ball GT, alors Dragon Ball GT, bon, moi j'étais plus sur Dragon Ball Z, hein, mais voilà, Super Mario RPG le test, 400 invitations pour le film événement Crying Freeman. Bon, donc voilà, c'est cool. Numéro 1. Le magazine numéro 1 des consoles Player One. Je pense qu'il y a du. Voilà, plutôt que de bâcler et puis de louper des choses qui pourraient être sympas. Voilà, ça fait deux piles.
énorme, vous les voyez, hein, ça fait deux piles énormes de magazines à se mettre sous la dent, puis on prendra le temps, voilà, on y passera une petite heure. Mais merci Ray du Plombier. Player One avec le CD de musique de Mediaville, si je dis pas de bêtises, hein, si c'était ça. Alors je l'ai le CD, je l'ai dans une belle boîte. Attends, on va voir. Ah non, oui, non, Joypad, non, celui-ci c'est un Joypad. Pardon, excusez-moi, je me trompe de côté. Joypad, attendez, on va rebasculer. Voilà, on va rebasculer. Ça, c'est pas le jeu, c'est la musique. La musique, musique du jeu. Et en plus, il y a Porsche Challenge. Voilà, ça j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'était cool. Voilà. Medieval et Porsche Challenge. Voilà. Ça fait partie des petites choses que j'ai encore à vous présenter. Voilà. Donc bah écoutez, c'est cool. Merci. Voilà. Merci franchement d'avoir suivi ce petit live à tous. Et puis merci à ceux qui peut-être verront eh bien, cette vidéo en replay. Ce sera disponible, ça restera disponible sur la page. Je vais la télécharger, la mettre à dispo aussi sur YouTube. Voilà. Et puis on se retrouve comme toujours le lundi soir pour un petit live. Et puis bah, plein de choses. J'ai plein de choses à vous raconter sur les réseaux. Je reviens un peu à la vie, là, j'ai un peu moins de boulot, donc je refais un peu surface, je prépare pas mal de choses, et puis ça va être cool, voilà, j'ai plein de choses à vous raconter, plein de photos, si vous êtes sur Insta, si vous êtes sur Twitter, sur Facebook, voilà, donc avec plaisir, j'essaierai aussi de partager, bien sûr, comment ça s'appelle, l'onglet communauté, voilà, sur YouTube, parce qu'on peut partager des petites choses très sympas, voilà, petites photos, des choses comme ça, des petites news, des petites actus, samedi prochain, pas samedi là, hein, mais le samedi d'après, je vous dis pas de bêtises. Vous donne rendez-vous le 1er et le 2, c'est ça, septembre, octobre, le 1er et le 2 octobre. Je vous donne rendez-vous à Chambéry au Savoir Retro Game Show, Savoir Retro Game Festival. Voilà, pareil, je vais repartager. Vous allez voir ça, c'est juste ouf. Je vais me retrouver sur scène avec Biggie et y penser. Je n'en reviens pas, je vous dis pas, j'ai le trouillomètre à zéro. Et voilà, donc ça va être incroyable. Voilà, si vous connaissez pas, y pensez, allez faire un petit tour sur sa chaîne, vous allez voir. Et Biggie, bah voilà, bon Biggie, on se connaît, voilà, on s'est vu à la Pixel Day, on s'est fait déjà plusieurs petits lives et tout. Et Biggie, un cœur en or, adorable comme tout. Et donc voilà, mais y pensez, je l'ai juste vu, aperçu dans des conventions, on était là en même temps. Et de se retrouver avec lui, ça va être génial, voilà. Voilà. Ça va être un gros kiff. Donc rendez-vous à Chambéry, pas ce week-end là, mais le week-end prochain, voilà, pour la convention. Et puis je serai en dédicace, en conférence, en convention, là-bas pour vous retrouver si vous êtes pas loin. Et puis voilà. C'est toujours un plaisir de revoir tous ces anciens magazines, mais grave, 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 ça fait tellement plaisir. Voilà. Et puis je m'étais dit, bah, c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Donc on se garde une pile de console plus, une pile de Player One de côté. Et puis, j'adore le Player One. Piratage tout ce qu'il faut savoir. Ça fait. Et puis même, bon, allez, je vous fais du petit teaser. Regardez-moi ça, ce Bruce Willis avec Apocalypse. Le jeu est génial, hein, si vous voulez tester. Voilà, un petit jeu très sympa et avec la vraie voix de Bruce Willis. Voilà. J'espère y arriver à Chambéry. Ah ben, j'espère t'y retrouver. La musique de CD Player One, tu le retrouves sur Abandonware. Ah ok, ça marche. Cool, merci pour l'info. Donc écoutez, à très bientôt. Des bisous. Bon week-end. Et puis pour le live magazine, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas encore. J'essaierai de le reprogrammer, mais ce sera pareil. On fera la suite ici sur Facebook et ce sera cool. Voilà, de partager ça ici. Et puis moi je vous dis à très vite. Je sais pas comment on coupe le live. On va essayer. On va essayer ça. Alors, ah oui, il faut pas que je le coupe tout de suite sur Facebook. Sinon ça met la pagaille. Sinon, ça met la pagaille. Alors, on va se quitter comme ça. Genre juste comme ça. Un petit écran, pouf, ça va se couper. Et puis, je vous dis bon week-end. Allez, ciao. Salut.